Bonsoir à tous et bienvenue sur la Tribune coruscante pour ce nouveau stream dans lequel on va discuter donc de la partie 6, partie 6ème et finale du coup de la série Obi-Wan Kenobi et ce soir on est en compagnie donc de, de y donc Johan de la chaîne y pardon, il était une fois une étoile et de Korsov, avec qui on va discuter de tout ça, bonsoir à vous Bonsoir Hello <laughs> Bonsoir. Voilà, on a même allez, le. On, on utilise la soundboard dès le début. On, on a même le, le bonsoir du Grand Inquisiteur et de tous les Hellhoder qui n'ont jamais existé, donc euh, tout va bien. Euh, ça devrait aller pour ce soir. Et euh, du coup, bien évidemment, bonsoir à, et bonsoir à tous. Bonsoir à tous qui êtes là du coup pour, pour assister à ce stream. J'espère que vous allez bien. Alors, oh putain, <laughs> ça commence bien. Et eh ben, merci beaucoup, Lucas Prime, qui vient de s'abonner. Attends, ça fait combien de mois? 11 oh, euh, Onzième mois d'abonnement, mais c'est oh putain, <laughs> c'est ça. Ex ex execute order unlimited subs, c'est ça. Bah merci beaucoup, que la force soit avec toi. Merci beaucoup beaucoup. Euh, alors, du coup, euh, bah, ça va être le, comment dire, avant que Andor commence, ça va être notre dernier débrief série euh, avant, avant un moment. Du coup, mais, euh, mais bon. Euh, on va... Euh... Un bon débrief, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à dire, là, pour le coup. Moi, ouais, j'ai une liste, là, un document Word devant moi. Oh, putain Un document voilà. WordPad. Comme dit le dicton, ça va péter <rire> <rire> Merci beaucoup, Vanji, qui vient My de s'abonner. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Et que la Force soit avec toi, décidément. <laughs> euh, alors... Bah merci euh, pour célébrer la magnifique série, nous dit-il. Merci beaucoup vanji c'est très, très gentil de ta part. Hein. Euh, bon, tu euh... commence. <laughs> alors bah ouais c'est ça. Alors juste petite chose évidemment, Barek n'est pas avec nous ce soir pour des <laughs> raisons euh, musicales. De <laughs> musicales. J'en dirai pas plus. <laughs> y a Moi, un... Tu peux hein. Il <laughs> y a un gros festival en ce moment, <laughs> je pense que vous savez lequel c'est. Donc euh, voilà, il n'est pas là pour cette Quel raison. manque de sérieux. C'est ça. <laughs> Mais, mais ne vous inquiétez pas, il y a un diapo de fin, euh, il voilà, y a tout ce qu'il faut pour un, pour un stream euh, habituel de débrief, etc., de critique. Euh, dans le euh, diapo de fin, tu as mis le vaisseau de euh, Ketsu Onyo. Ah! Oui. Bah oui, il hein, faut, faut, faut aller le voir celui-là. Hein. Alors, il y a 9 y a diapos, donc attends, j'en rajoute une. <rire> <rire> On va s'arranger. Euh, mmh. Du coup, tu sais quoi Je vais te lancer. Bah ben voilà, corso, tiens, t'as envie de parler. Euh, donc, vas-y, euh, vas-y, ouais, vas pour ton avis Nord global. Nord Nord. Et euh, pendant <laughs> ce temps-là, je vais, vais rajouter Nord Nord. Une, une diapo supplémentaire. Vas-y. Ouais, vas-y. You do that. <laughs> um, alors, 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 alors. Déjà, il faut mettre les choses dans le contexte. mais j'ai eu la, la chance d'avoir cette expérience du dernier épisode au ciné. Parce qu'ici, au Canada, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, euh, le dernier épisode était diffusé dans pas mal de, de cinéma, euh, Et moi, comme je vis à Montréal, j'ai pu le voir ici à Montréal. Et c'était avec, avec, euh, avec d'autres fans, en fait. Donc, euh, l'ambiance était vraiment incroyable. Ça, ça, ça applaudissait, ça faisait des ça, ça... Alors, c'était vraiment une super ambiance. Donc, il euh, y avait ça et euh, donc forcément c'était c'est un peu euh, genre augmenter euh, euh, voilà, l'immersion euh, l'expérience ce que tu veux donc ça ça a aidé et moi globalement le, le bilan est quand même relativement positif euh, les deux derniers épisodes ont quand même remonté euh, le niveau de la série à mes yeux parce que c'était quand même assez euh, enfin, vous étiez là au précédent live alors bon vous savez qu'il y avait quand même pas mal de choses à redire tu enfin, étais enflammé pour un détail particulier d'ailleurs en... <laughs> enflammé oui c'est ça on va pouvoir y revenir hein, sur ces flammes mmh. Mais euh, honnêtement, euh, là, les derniers épisodes, euh, bah, ça, ça. il y a eu ce que je cherchais dans ce dernier épisode et dans le 5 aussi, mais moins dans le 5, mais plus dans celui-là, du coup. Mais c'est normal, c'était le final, donc forcément, il y a pas mal de, de, de moments grandioses, vraiment des, des bons moments. Euh, enfin Ce que j'aime dans Star Wars, en fait, euh, c'était là, l'émotion, euh, les petits frissons, la petite larme de fan aussi, euh, pour une scène en particulier, euh, la fin, la toute dernière. <laughs> Donc, euh, non, franchement, c'est quand même euh, très très positif. Mais, cela dit, il y, euh, y a quand même des, des choses qui. Enfin, euh, j'en avais juste rien à cirer, en fait. <laughs> ah. Euh, C'est-à-dire euh, Je pas, pas la moitié de l'épisode. Bah, je sais pas, il faudrait voir. Mais il y a quand même une bonne partie. Bah, honnêtement, tout avec Reva, j'en avais pas grand-chose à foutre. <laughs> Ah, C'est un peu la seconde intrigue. Euh, ouais. J'aime bien, mais tu vois, genre, contrairement à pas mal de gens, j'ai j'apprécie le personnage de Reva, surtout oui. l'évolution qu'ils lui ont donnée à partir de l'épisode 5, qu'on comprend qu'en fait, depuis le début, elle faisait semblant de servir Vador pour, juste pour le buter. Du coup, tu comprends bien la psychologie du perso, et là, forcément, il y a beaucoup de, de, ses, de ses répliques, de son comportement qui est expliqué par ça. Et euh, du coup, j'étais quand même satisfait de, de ça, et j'aime bien ce perso, mais genre il euh, y a quand même des trucs qui m'ont sorti, euh, sorti du délire quoi. Donc, euh, je, de, la semaine dernière j'avais fait euh, trop, trop de détails dans mon avis euh, global euh, d'intro donc je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails là mm -hmm. mais il euh, y a beaucoup de trucs que j'ai adoré des trucs euh, que, dont j'étais moins fan des trucs que j'ai juste vraiment pas aimé où j'ai ai, ai rien dit parce que j'étais obstiné mais si j'étais chez moi j'aurais fait mais pardon, <laughs> pourquoi <laughs> tu vois donc il euh, y a certains, certains enfin, un moment principalement comme ça euh, mais sinon, d'autres moments où, euh, où j'étais vraiment très très satisfait de ce que je voyais. Et puis voilà quoi. Mais cet épisode était quand même euh, nettement au-dessus euh, de, bah, de la moyenne de la série, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Au niveau vi visuel, au niveau réalisation, c'était mieux. Il y avait des euh, visuels, euh, les effets spéciaux sont quand même un peu plus. Euh, un, peu plus euh, un peu mieux réussis que sur les autres, j'ai trouvé. Mm. Euh, les environnements. Enfin, euh, l'environnement, parce que finalement, il n'y a que. Euh, et qu'un environnement, bah, à part Tatooine il hein, y a l'autre planète, j'imagine qu'ils sont de retour sur Jabim parce qu'ils font non, 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 c'est une autre c'est une lune qui n'est pas nommée t'es sûr de ça ah oui, parce qu'on a fait un demi-tour non, 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 c'est pas Jabim hein. c'est pas le même environnement on te dit, alors là ce que j'ai vu pour l'instant pour les recherches que j'ai fait autour de l'épisode ouais, c'est une lune sans nom ok, parce que vu de l'espace voilà. ils auraient utilisé le même euh, même asset, hein, clairement hein. Ah, peut-être C'est la même. Ah, je... bah... la même. Non, De l'espace, hein. C'est la même couleur, exactement il me, la même il chose. Il me, il me semble pas. Tu sais, ah ouais. surtout qu'en plus, au, dé au départ, je bon me bon. disais, si ça se trouve, c'est la, la planète dont parle Roken. C'est au début. Euh, Tassin. Oui, Sen. et en plus, alors, justement, en faisant les recherches pour les, euh, pour les références et les trucs comme ça, euh... <laughs> c'est la première fois qu'on ouais. entend ce nom dans tout Star Wars, hein, donc bon. Oui oui bon bah très bien mais c'est une nouvelle planète ok ça marche Ma je mmh. préférerais qu'il retourne sur Jabim moi d'un point de vue subliminique ça ça ferait plus de sens <laughs> c'est bon, peut-être la va, lune de Jabim ouais ou par exemple quelque chose comme ça enfin, bon bref c'est un détail euh, mais j'ai beaucoup coup, aimé l'environnement le, le, euh, la chorégraphie euh, et la musique enfin j'ai envie de dire <laughs> ouais. là enfin euh, il y avait quand même des bons thèmes dans l'épisode précédent mais contrairement oui. à YG par exemple qui avait beaucoup aimé moi, ça m'avait pas marqué plus que ça, mais là, dans cet épisode, ouais, là, à un moment, j'ai eu mon petit frisson. Il y, y avait un, un sursaut moment. de la musique hein, sur la partie ouais, 5, quand ça, même, hein. Ils se sont réveillés. Dans les 5 et les 6, ils se sont réveillés. Il y a aussi pas mal dans de. Le 6, c'est pas tant que ça. C'est surtout qu'ils ont ah, repris des thèmes que... identifiables dans le 6. Dans le combat, ouais. le combat. Et encore, c'était à, à peine. C'était vers, vers là, la on fin. On ouais. euh, quand ils reviennent pour la deuxième fois dessus. Ouais, non, c'est joli ça. As le deuxième passage où tu as la caméra qui zoome sur eux qui sont entre les, les colonnes de rochers là. Puis là tu as un cœur, tu l'entends très très fort. Et bon c'est je pense ouais. c'est un cœur euh, synthétique enfin euh, je sais pas, on dirait que ça a fait ah, a bon été coup, le jeu La musique dans cet épisode n'a pas du tout marqué. Mais là pour, 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 ce, pour le coup à ce moment-là, j'ai fait ah, un cœur. Yes. Mm. Et puis euh, et puis voilà quoi. Et puis même quand ils discutent après euh, tu as aussi une musique euh, bien triste. Euh... Donc non, la musique, pour le coup, et enfin la marche impériale et le thème de et le thème de la Force. On les aura attendus ces trois-là, ils sont là. Et puis voilà, ce que je voulais vraiment moi voir, c'est comment est-ce qu'ils allaient. On avait parlé lors des lives précédents. L'épisode final est crucial parce qu'il va, c'est lui qui va relier en fait finalement la série à la trilogie originale, Et c'est, on attendait cet épisode au tournant, quand on a discuté lors des derniers lives j'ai même fait une checklist pour ceux qui sont sur notre Discord de mmh. des trucs qui doivent être là pour que ça marche il euh, y a des trucs qui sont pas là il y a des trucs qui sont là donc on pourra y revenir mais globalement je suis assez satisfait parce qu'en majorité ça, ça, ça marche quand même il euh, y a des répliques je m'attendais pas vraiment à ça mais il y a des répliques qui y a dans cette série des, des moments qui du coup euh, euh, dans cet épisode qui euh, bah, approfondissent le sens de certaines scènes oui. et certaines répliques de la trilogie originale et ça, c'est vraiment cool. <laughs> Rien que pour ça, c'est quand même assez sympa, ouais. Mm. Ouais, ça rajoute, ça rajoute du poids. Et puis, euh, et globalement, le combat s'est passé comme je m'y attendais, genre exactement. Enfin, euh, pas dans les détails, genre les pierres et tout, évidemment, mais genre par rapport euh, à l'issue, quoi. C'est ce que j'avais <laughs> dit putain, lors du le live. Donc, euh, il y a une jolie QTE, quand même, à ce moment-là. Euh... <laughs> c'est vrai. Je ne suis pas euh, emballé de, par certains, certains choix de de mise en scène, oh enfin en, y, reven, y revenir, notamment dans les hommages aux, aux séries animées, euh, mais ah, après, oui. ça, en point de vue, je crois que c'était un peu too much. Mais euh, honnêtement, euh, plus à plusieurs moments, j'étais euh, vraiment à fond. Euh. Donc ouais, l'émotion était là. Ça mais c'était sympa a, de a... voir ça au ciné quand même, par contre. Ah ouais ouais. ouais. <laughs> c'était vraiment cool. Enfin, bah, pour vous dire, moi, je vais aborder un détail du coup, mais quand Obi-Wan il soulève toutes les pierres là. <laughs> Genre, tout le monde au ciné qui a fait wow, wow" comme ça, là tout le monde qui a applaudi. Vas-y, vas-y, vas-y. Faites-lui la gueule. Tue-le. Oh, wow. Ah non, merde, attends, non. <laughs> Kill, him. <laughs> Kill him. Do it. Kill him. Genre, à ce moment-là, il était, il était jouissif quand même au ciné. Euh, avec la musique là, derrière qui, qui monte en crescendo. Genre, ok, d'accord, c'est. Mm -hmm. Ah oui, ça, ça, j'aime mon Star Wars comme ça, quoi. <laughs> Donc, euh, je... donc ouais, non, il y a, euh, ce sera. cette série en général, cet épisode, cette série, quand j'y repenserai dans quelques années, euh, bah, j'en tirerai quand même principalement du positif avec deux points négatifs. Un que vous connaissez bien parce qu'il s'agit euh, du coup des flammes dans l'épisode 3. Ah, oh, encore, encore. Euh... <laughs> non, bah, je suis désolé. J'ai tant que ça vu. Que non, ça mais pas, moi aussi. L'épisode, il est toujours là. Il sera toujours là. Euh... L'éternité, le coup des flammes, donc euh, faudra que je vive avec. Bon, pour ceux qui sont nouveaux euh, qui, euh, et qui savent pas de quoi je parle, c'est dans l'épisode 3, donc la première confrontation entre euh, Kenobi et euh, Vador sur ma pouce. Là, qui tire sur sur euh, soit les objets hein, qui s'enflamment, puis tu as, as des flammes qui séparent les deux pour la deuxième fois, et ouais. euh, et genre il il fait rien va il regarde Obi Wan se faire sauver par, euh, par les, les, le droïde et Talat tala. mais euh, enfin je veux dire en plus Corsoff euh, euh, voilà il peut juste traverser les flammes il marche même dans la lave dans les comics donc c'est juste profondément débile ah oui. il y a aucune excuse pour ça et je pensais qu'ils allaient aborder ça dans le dans, le, dans le, le dialogue de cet épisode final, au mode je j'étais une chance de, de te préparer, euh, tu vois, je dis n'importe quoi, mais qu'il y a un, un sous-entendu, mais je, je savais qu'il n'y en, qu en aurait pas, c'était sûr, mais je m'accrochais quand même un, un peu à cet espoir qu'ils qu abordent le truc. Et non, du coup, bah, je trouve ça inadmissible. Il y a un autre truc que je trouve inadmissible. Mm -hmm. euh, bon, je vais y venir. C'est un truc qu'on avait dit euh, euh, en, en blague, en tant que blague la semaine dernière, pour l'épisode 5. Je me souviens à un moment j'avais dit, enfin je crois que c'était moi, je sais plus qui, j'avais dit Et du coup là Reva elle est blessée, elle rampe, il n'y a plus de vaisseau dans la base rebelle. Comment est-ce qu'elle va se rendre sur Tatooine Oui on en avait parlé Pour rire j'avais dit, imaginez genre, l'épisode il s'ouvre et elle est sur Tatooine et il nous explique rien J'avais dit ça pour Moi je m'attendais à ce que ça commence comme ça personnellement Je me suis dit non mais ce serait beaucoup trop gros, ce serait trop du foutage de gueule, il ne ferait jamais ça bah et si. Ça bah commence comme ça. J'ai regardé mon pote au ciné, j'ai fait putain. Ah moi ouais, ça ah, m'a ça m'a gonflé aussi. Hein. Après, uh, ouais. Honteux. Franchement c'est honteux. <laughs> elle s'est téléportée. Je suis désolé, il y a aucun moyen pour elle d'être sur Tatooine. Non, sinon j'ai une solution. Mais, un, fait, être, hein, si bonne forme ouais non mais en plus oui ça c'est autre chose ouais. mais sinon j'ai une Le solution. Corsof. est un moyen. Tu mets dans euh, de, euh... De que certains considèrent comme oui. contraire à la nature mais ta gueule elle s'est téléportée ou sinon pour citer un, une grande personne revenge those wonders bon bref bon. ça va euh... oui alors ça ça marche bien mais oui mais pour non citer une <laughs> grande personne hello <laughs> ou sinon tu sais quoi on n'en saura plus sur sa série spin-off Reva non, pas. <laughs> oh, non. The, the <laughs> Book of Reva donc voilà ouais, j'ai oh, trouvé non. ça The, the Ship ah. même mais... Mais, mais, ouais, mais bon. Le, bon, le coup des flammes, en vrai, euh, je peux, avec une gymnastique mentale, euh, je commence à devenir un pro de gymnastique mentale. Donc, euh, là, pour le coup des flammes, j'ai fini par, euh, par euh, me dire que, en fait, c'est peut-être qu'il veut juste pas. Euh, genre, euh, là, dans ce combat, Vador, il, 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 il enterre. Euh, façon de parler. Il enterre euh, euh... Obi Wan et il sait qu'il est. Enfin, je me doute qu'il sait qu'il est pas mort. Soit sinon il l'aurait senti à euh, travers la Force à mort ou quelque chose comme ça, quoi. Je pense que tout simplement. qu'il dit juste en... après indique le contraire en fait. Mm. Ah ouais, il pense qu'il est. Ouais. Euh... Bah, la, la, le, le ton qu'il utilise en tout cas. Bah, il dit pas. Enfin, il fait pas. Il Did dit... you really think? Je pense sais C'est son, me... son intonation. Son... Ça, c'est son intonation qui, qui me fait me dire que. Ouais. il est assez. Ouais, c'est presque triste trois en, trois en trois fait. C'est, C'est et... ouais. si, bah, si, 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 ce que je pense en tout, en tout cas. Si, je pense que c'est si, l'intention. Que... Si il sait qu'il est encore en vie, eh ben, c'est un peu genre, la dynamique Anakin et Obi Wan, c'est qu'ils n'arrivent pas à... <laughs> à se finir en fait, l'un et l'autre. <laughs> ils n'arrivent pas à s'achever quoi. Et et du finalement, coup, ils ouais. n'arriveront jamais. Finalement, ils arrivent. Bah, ah, du coup, et Obi Wan va mourir que Vador qui Kyrie si elle tue. Oui. Oui, c'est plus ça. Mais bon, en tout cas, ils portent le coup, fatal mais je veux dire, euh, c'est peut-être que voilà, il a vu son maître et puis il s'est dit euh, bon bah je vais, dans, au dans le moment des flammes tu vois, il n'a pas réussi à aller euh, achever ou j'en sais rien, du coup il s'est dit bon bah, un peu, de, un peu de faiblesse de sa part tu vois, weakness comme il dit notre après, cher euh, après, c'est sa euh, faiblesse euh, Obi-Wan, ah, bon. donc oui. oui donc je sais pas, c'est peut-être euh, mm. peut c'est peut-être ça donc, euh, mais bon ça c'est de, de la gymnastique mentale moi je trouve que c'est une erreur grossière d'avoir fait ça, ces deux trucs là et c'est pour moi vraiment les deux gros problèmes de la série à mes yeux. Euh, je parle de, de, du scénario évidemment, de, je parle pas de la réalisation et de, de, de la musique, ça, je parle vraiment in-universe là, ok Oui, de l'histoire C'est tout ce qui est important pour moi, c'est in-universe. In vraiment la réalisation j'aime bien, mais genre, ça passe après pour moi très clairement. Et euh, pour moi les deux problèmes qu'il y a avec cette série, c'est ça. Moi il n'y a pas de grosse contradiction avec le reste de la, de la saga, genre zéro en fait, tout simplement. Ceux qui disent le contraire ont tort. <laughs> enfin, c'est mon point de vue. Vous pouvez y aller point par point, point dans le chat si vous voulez. Euh, on va Alors que dire. quand même, hein, tu commençais pas bien là-dessus. En vrai. Alors que quand la série a été, euh, a été annoncée, euh, j'étais en mode, ok, ça va, ça va c'est pas possible. J'étais vraiment très très pessimiste. J'avais très très peur sur ce sujet. J'avais euh, vraiment peur qu'il y ait des grosses incohérences. <laughs> Et euh, en fait, non. Vraiment, euh, c'est ça, j'ai fait un, un, un document Word avec des explications de toutes les, toutes les répliques de l'Etrejé original, comment, comment est-ce qu'elle elle pourrait marcher avec la série, comment est-ce qu'il pourrait les faire fonctionner en fonction de ce qui se passe dans la série. Et globalement, ça, ça correspond. On a discuté lors euh, du live après ouais. l'épisode 3, je crois. Euh, et euh, pour le coup, euh, voilà quoi, se dire si... Tu prends les répliques et les mises en scène de la trilogie originale telles qu'elles. Genre, essaies d'oublier ton interprétation personnelle que tu as depuis que t'es gamin. Hein, et ça pas été, ça, ça pas été facile pour moi. C'est clairement pas facile. Aussi d'ailleurs modifié par la VF hein, pour certains d'ailleurs. Aussi. Oui, et la VF fait euh, un truc. Mais comme je la connais moins bien la VF pour le coup. Et euh, non, franchement, ça, ça marche. Cette série, elle marche. Elle rajoute même des. Euh... Elle rajoute même du contexte à certaines répliques et certaines scènes. Et ça, c'est très bien. Donc là-dessus, je suis quand même globalement satisfait. C'était ma crainte principale. Et mon attente principale, ma seule attente en fait que j'avais avant. Oula, qu'est-ce qui se passe La seule attente que j'avais avant, c'était il y a plusieurs mois même quand la série a été annoncée, il y a plusieurs années. La seule attente que j'avais, c'était quoi God. Ah bah oui. Je veux voir quoi, God. Genre, je veux pas juste l'entendre. Je veux voir Liam Neeson, même pour une seconde. C'est tout ce que je veux, et je l'ai eu en fait. Donc, euh, mes craintes euh, se sont révélées euh, infondées du coup, mmh. Globalement. Et euh, le seul truc que je voulais, on l'a eu. Donc, euh, donc globalement, voilà. C'est pour ça que je suis positif. Mais, euh, mais franchement, il euh, euh, y a quand même, il euh, y a quand même des points négatifs qu'il faut, faut pas se voir la face. Ça aurait pu être beaucoup mieux. C'est un peu comme une conclusion. Euh, un peu comme celle de. À, à moindre mesure, bien sûr, un peu comme celle de The Book of Boba Fett. Genre, euh, qui est-ce que. Enfin, est... il y avait du potentiel, mais ce qu'on a eu, c'est juste euh, dommage, en fait. Oui, <laughs> alors que là, là, quand même, ouais, c est, c est c est... il y a quand même pas mal de positifs, en soi, dans Obi-Wan Kenobi, donc euh, c'est pas ouais, exactement ouais, 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 la il... même chose, ouais. C'est pas comparable avec la déception qu'était Book of Boba. Même <laughs> s'il si y avait plein de points des... positifs dans Book of Boba. On y viendra, Johan. Je pense que t'as beaucoup de trucs à dire. <laughs> on y viendra, on y viendra. <laughs> donc euh, voilà c'est toujours une... c'est pas genre euh, c'est une impression de une légère déception mais ça je pense c'est en lien avec euh, nos attentes personnelles aussi hein, je dire, ah euh, ça joue pour beaucoup ouais, en effet ouais. ça joue pour beaucoup Et moi j'attendais je... pas grand chose ouais. comme je disais mais c'est vraiment ces deux problèmes de de, de, de lazy writing quoi des facilités scénaristiques qui moi m'ont sorti le truc si oui, j'étais oui. pas là le truc là bon euh, franchement ça aurait été nettement mieux quoi pour moi donc, mm. euh... Après, c'est pas que des attentes personnelles, hein, parce que c'est des attentes que que la série euh, a créé elle-même, en fait. Pas oui, juste, oui, non, bien euh, sûr. Ouais, euh, c'est nous qui nous attendons nous-mêmes à ça. C'est eux, ils ont dit, attendez-vous à ça, ça va être, ça va être trop bien. Ouais, mais Donc, ils ont surtout ils vendu sont, le duel. Euh, non, ils sont eux-mêmes, euh, ils sont oh, eux-mêmes ouais. mis à un challenge. Ils se sont sortu, surtout concentrés sur euh, la fameuse euh, revanche, enfin le, le duel, euh, le duel final qu'on qu vient, de voir là, dans l'épisode Et Du coup, euh, je m'attendais, enfin euh, le marketing était centré principalement là-dessus. Hein. Et euh, du coup, euh, alors ju même, juste mais... un petit truc, c'est Rsalet dans le chat qui dit pas content qu'on ait revu Qui -Gon pour ma part car c'est incohérent avec ce qu'il dit dans The Clone Wars tout ça pour du ah fan service. Ah, alors, alors justement, alors. j'aimerais bien un peu plus de détails justement en quoi c'est incohérent selon toi avec The Clone Wars. Mais euh, vas-y vas-y Corsau du coup poursuis euh, bon, Je vais pas répondre du coup à, à ce commentaire pour le moment. J'attends plus mais... de détails justement. Ah, oui ouais, bien sûr. Euh, mais euh, ouais, c'est ça, c'est globalement euh, toujours cette petite, moins que pour Boba Fett, évidemment, mais toujours cette sensation de Ah qui, On aurait pu avoir de, de l'or, en fait, vraiment, ça pu être, ça pu être parfait, ça peut être incroyable, mais il y a quand même des trucs qui, qui ternissent un peu le, le truc. Mmh. Et ça, c'est quand même... Euh, c est, c est, mais c'est lié aussi aux, aux attentes qu'on a. Quoi. Forcément, une série qui n'a pas été Vador, B1, etc., on s'attend à ce que ce soit grandiose, que la réalisation soit impeccable, que les musiques soient grandioses. Bah, en fait, on, on attend à ce que ce soit au niveau des films. C'est ça. Et euh, et en fait, non, bah c'est une série, c'est pas le même niveau, le mmh. même budget, etc. Encore une fois, ce n'est pas le même budget, ça se sent. Ouais, c'est ça. Donc ouais. euh, euh, bon. Donc euh, oui, ce que dit L.S.R., euh, pour le coup, oui, c'est vrai. Pour Mais avoir euh, de la qualité sans, sans pour autant que ce soit un film, c'est pas une excuse. Ah pour le coup, coup euh, bien, Anto, bien Anto, sûr, bien Anto, sûr. Anto, la qualité est là et c'est une série, que je veux dire. C'est ça, enfin, euh, je veux dire. Euh... C'est pas une excuse pour la réalisation, pour la mise en scène, pour, pour le scénario, le budget ou le fait que ce soit une série, c'est pas une excuse. Même la beauté des VFX, c'est hein, des séries qui sont moins chères et qui font beaucoup mieux. Ça. Fois, Donc, ouais. En fait, tout ça, c'est pas des excuses. Il faut, faut, faut arrêter de se dire, hey, mais c'est pas grave parce que c'est une série et puis c'est pas un film. C'est pas des excuses qui sont valables. Ou sinon, faut gérer ton budget. Enfin, il faut, 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 faut faire des y trucs y selon gestion, quoi. Mmh. Donc c'est pour ça que moi je j'ai hâte de voir la série Andor parce que pour le coup ah oh, putain euh, oui <laughs> voilà niveau attente niveau euh, le, le poids des personnages l'héritage la saga etc là on va dans un territoire quand même assez inconnu euh, ça va vachement les... de et du coup mmh. euh, là il y a du potentiel de ouf hein, cette série enfin euh, moi elle me fait rêver vraiment donc ça euh, fait voilà, ça fait rêver. Donc on verra bien, mais j'ai vraiment très hâte. Ah, j'ai pas d'attente particulière, juste que je sais que comme j'ai pas d'attente, je vais passer un moment en fait, c'est ça. <laughs> alors juste Donc, juste pour répondre là euh, pour l'histoire de Quigon, en fait le truc c'est que si j'ai bien compris toutes les sources qu'on a pour l'instant, j'en parlerai un petit peu plus tard dans une diapo que j'ai prévu évidemment. Euh, si j'ai bien compris, alors non parce que ça c'est très très vague en vrai, mais. Euh... Voilà, plutôt ça. Obi Wan ne peut pas se manifester au moment de The Clone Wars, ça c'est un fait. Par contre après, excuse-moi, l'autre avec des cheveux plus longs, voilà. Bref, il peut pas encore se manifester. Par contre, c'est pas parce c'est ça, c'est pas parce qu'il est mort. Il peut toujours se manifester son esprit survie grâce euh, bah, dans la force cosmique, il arrive à s'en détacher, en fait. Et exact. ça reste une personne à part entière et qui peut apprendre encore des choses. Et d'ailleurs, c'est un, un peu la. la je pense l'idée derrière le fait que Anakin parvient aussi à faire ça. Parce qu'en soi, euh, genre, il a passé toute sa vie en Vader, il meurt. Euh, euh, juste euh, en, en étant revenu du côté lumineux et ben bah, on peut se dire euh, surtout qu'en plus en fait, alors bah, en fait oui et non à, mais... bah, à la limite ce que j'étais en train de me dire par rapport à Anakin moi c'est enfin je le considère comme ça après c'est d'après les indices qu'on a hein, c'est vraiment euh, c'est pas complètement infondé mais euh, dire c'est pas totalement euh, 100% officiel non plus mais j'ai l'impression que, euh, d'après le, le, la, la nouvelle de. Je de... crois que c'est Claudia Grey, hein, du coup. Euh... Ouais, c'est Master and Apprentice. Euh, oui, Master and Apprentice. Ça fait très déconnecté du, du temps réel, en fait, le, le, la force cosmique. Donc, bah, en gros. c'est euh... fait déconnecté du ah, temps ouais. et de, de l'espace, en fait. Ça. Donc, en fait, en gros, théoriquement, Anakin pourrait apprendre à se manifester et se manifester juste après sa mort. Exact. Donc, non, moi, ça ne oui, me totalement. pose pas de problème. On pourrait trouver plein de réponses à. Ça, on pourrait dire que bah, Anakin mm. a en quelque sorte une création de la Force. Bah, quand il meurt, il retourne à la Force. En plus. Ça ouais. pour, pour revenir à, à Qui-Gon, euh, bah c'est ça en fait. Au début, sa formation était incomplète. Du coup, il ne pouvait que se manifester sous forme de voix. Mais avec le temps, il a fini par savoir comment apparaître en tant que fantôme mm. physiquement. Et d'ailleurs, euh, Ben Solo, voilà. et Leia disparaissent aussi hein, dans l'épisode neuf. Hein. Mm -hmm. mm. Ouais ouais. ouais, ouais. ce que Leia, d'accord, la limite. À ah, oh, mais Quai gon ça a été oui. plus long. Ceux qui disparaissent direct, ils apparaissent direct. <laughs> Qui-Gon si tu vas voir, tu vas déterrer ses os sur Naboo, ses os auront disparu. <laughs> ah, si, non, mais en vrai, Alors, si ça se trouve, On ouais. est longtemps après. Très longtemps après. Ouais, mais ça, c'est naturel le en le corps, fait. Le corps de, le, remarque, le corps d'Anakin a disparu, lui. Beaucoup d'eau. <laughs> Anakin, il ouais, est VIP, c'est un peu ça, hein. Les, les, je pense 60 ans après euh, bah non du coup moins 40 ans après euh, les eaux seront encore là <laughs> enfin logiquement <laughs> ils sont plus là c'est que c'est bon ça a marché mais en fait c'est ça, ça être... le truc c'est que la force cosmique c'est déconnectée du temps donc c'est il faut pas oh, réfléchir euh... en termes de temps réel c'est ça le en truc temps a pas de sens ici, en fait. après par contre le truc qui est bizarre avec ça quand tu mets en, en, en considérer le truc Comment ça se fait que Quaigon ne peut pas se manifester directement, genre un peu libéré de l'emprise du temps pendant la période de la guerre des clones Oui, par exemple. Après, on peut toujours trouver d'autres arguments. Peut-être que c'est une tâche très compliquée à mettre en place, très et du coup, ça nécessite peut-être un bagage que Qui-Gon n'avait pas. Enfin, on peut trouver. Oui, et puis après, en plus, il y a... sur Mortis, t'as vraiment le truc très bizarre du. On ne sait pas à 100%. Euh... Enfin. Mortis c'était un peu l'idée que c'était le, le réceptacle de la oui. force, un où la force est très puissante, donc l'apparition physique est rendue possible. C'est ça. c'est bon. euh... euh, vrai, j'ai pas mal de gens s'indigner au fait qu'on voit quoi mais pour le coup, moi ça, ça me pose aucun problème. Parler lors tout du tout live c'est tout à fait logique en fait qu'on qu le voit parce qu'on sait qu'à l'époque de l'épisode 4 dans le roman, dans le recueil de nouvelles From a Certain Point of View. Il le voit. Euh, il apparaît, comme ça, exactement pareil. Donc on sait qu'il peut apparaître auprès d'Obi-Wan. C'est ça l'info qu'on avait avant l'épisode. Là on le voit, du coup ça colle, tout simplement. C'est ça. Euh, et on en reparlera tout à l'heure, <laughs> vers la fin ouais. du stream. Euh, du coup, voilà, est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter, Korsoff ou euh... euh, Oui, mais pas pour le moment. <laughs> ah, bon, alors, sur les avis globaux. Euh, on va continuer avec Il était une fois une saison. Qu'est-ce que t'as pensé de <laughs> C'est une série. Est-ce une... Est qu'est-ce que t'as pensé de bon. ce dernier épisode et de la bah, de la série hein, dans sa globalité pour l'instant Alors, euh, donc en général, on va commencer par, par l'appréciation de la série. C'est et... moyen plus. Je ne pas que j'ai passé assez... enfin, pas que j'ai adoré la série. Et il y a de bonnes choses évidemment. Euh... Il y a quand même pas mal d'éléments qui m'ont perturbé, même si euh, rien à voir avec, euh, par exemple, le, le, contenu, euh, le contenu proposé en soi, pourquoi pas. Je n'ai pas, pas particulièrement euh, de problème avec ça. Hein. C'est une période déjà qui me plaisait pas à la base, mais qui finalement n'a pas posé euh, tant, de, tant de problématiques que ça. Euh, moi, mon gros point positif, mon gros point positif euh, ce serait quand même évidemment le retour de, de ces acteurs. De, de la prélogie, ça fait extrêmement plaisir de les revoir, le, 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 la manière de jouer est bonne, les rôles sont intéressants. Mmh. La direction d'acteur peut être désirée parfois, je pense notamment au personnage de Reva qui en soi n'est en pas, pas mauvais, l'actrice joue bien, mais c'est la manière dont on va mettre en place et la manière dont on va déliconiser le caractère qui peut, qui peut pêcher à certains moments. Mais euh, ouais. le gros point noir, je pense, le gros point noir de de la saison, enfin de cette série, c'est encore une fois le budget je pense accordé, ou la manière dont on est utilisé le budget. On a beaucoup de passages qui, qui font très cheap en fait. Euh, donc euh, je pense évidemment aux Snow Speeders euh, dans l'épisode 4. Je pense évidemment à la navette de l'épisode 5. Il euh, y a beaucoup de voilà des passages qui font faux, des décors qui font vide, et un univers qui, au-delà de sa trame principale, ne semble pas s'élargir plus que ça, on a l'impression que tout est très restreint que la mythologie Star Wars se confine à l'intrigue seule et qu'on ne s'aventure pas plus loin. Euh, ce que les, les autres médias arrivent quand même bien à faire, notamment les romans qui nous introduisent plein de, plein de termes de, 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 de vocabulaire, plein de caractères qui, euh, qui en fait euh, apportent vraiment un côté, un côté folklore, lore, euh, mythologie très, intér très intéressant. J'ai l'impression que cette série en est un peu exclue et c'est euh, une des critiques qu'on peut faire euh, aux dernières productions Star Wars, même si euh, The Mandalorian euh, s'en sortait un peu mieux déjà mais euh, voilà en fait on a l'impression qu'on suit une coquille vide une coquille donc à l'intrigue intéressante hein, je dis pas mais euh, aux alentours vides mais ça encore une fois c'est euh, défini par la, la contrainte budgétaire mais euh, sinon voilà la série euh, la série se regarde euh, j'attends plus Endor que one j'avais pas beaucoup de hype pour cette série déjà de base donc euh, donc à voir et euh, pour ce dernier épisode euh, du positif. Je pense que c'est l'épisode que j'ai le plus préféré, mais c'est normal. Mmh. C'est Le c'est l'apothéose, c'est la conclusion de, de tous les heures qui nous sont présentés, donc euh, forcément le tout devient tout de suite plus digeste. Donc euh, voilà. Euh, le combat entre Obi-Wan et, et Vador est intéressant, beaucoup de symbolique, beaucoup de, de, messages, de messages pertinents et beaucoup de, beaucoup de, de parallèles sympathiques à faire. Notamment, par exemple, sur le, le, le casque brisé, mais je pense qu'on en reparlera après, j'imagine. Ouais. Oui, on va en reparler, On <laughs> en reparlera après, j'imagine, ouais. Donc, euh, donc, ce dernier épisode déjà, s'en sera un peu mieux au niveau VFX, parce que forcément, on a moins d'éléments, moins euh, j'ai envie de dire, demandeurs. On n'est pas sur la modélisation d'un vaisseau, d'une scène d'action avec un vaisseau, mais juste sur des décors. Et euh, pour une fois, j'ai trouvé que le décor euh, était, euh, était sympathique avec la, la lune dans le fond et... Euh, non, non, désolé, je voulais juste couper pour faire un petit aparté. On n'a on jamais parlé même dans le live précédent du fait qu'on qu retrouvait ce bon vieux Devastator en fait. <laughs> Ça ouais. fait plaisir de oui. le voir. Euh, ouais. ouais. <laughs> tu peux revenir à ce que tu dis. <laughs> C'est sympa. Et euh, sinon, euh, voilà, le fait de voir Cwégon, bah franchement pourquoi pas. Hein. Comme on l'a dit, il euh, y a beaucoup d'éléments qui tendent à prouver que bah Quagon a pu apprendre à se matérialiser en fantôme, donc euh, pas de problème, euh, pas de problème ici. Euh, le personnage de Raven. Euh, peut-être, euh, oui, l'élément mou de cet épisode forcément, on se demande déjà comment elle arrive sur Tatooine, comment elle survit encore une fois à ses blessures, comment elle part de Jabim bon, pourquoi pas, hein, une fois qu'on qu l'a qu digéré euh, et qu'on l'admet ça passe tout de suite mieux même si, Alors, euh, pour le coup, pour le fait qu'elle ait survécu à ses blessures faut pas oublier quand même que sur Jabim ils ont une cuve de Bacta qui traîne <laughs> ouais mais sauf que c'est pas présenté dans l'épisode oui, tu peux imaginer. Non, pas dans, ce... pas dans cet juste... épisode, mais il se trouve. Enfin, on, a, on a déjà vu la cuve de Bacta Non, Elle mais d'accord. Je qu'elle existe. Je sais. Le, le, je fait sais bien. Nous explique... le fait qu'on qu nous explique pas, c'est un peu nous prendre pour des truffes, personnellement. C'est comme ça que je le prends, moi. Tant que si, si tu dois justifier les combles du truc, en fait, et si ça se trouve, bah non. T's... Non, il faut le montrer, quoi. Ouais, ouais. Que bah, pas le... forcément, parce que faut, tu peux pas tout montrer non plus, c'est bien le problème. Et ça, les blessures, ça, les question, blessures, non, vraiment, les blessures, ça me dérange pas non plus. Enfin, ça me dérange un peu, mais moi, c'est vraiment le fait comment elle a fait pour aller de Javim à Tatooine. Elle a rampé dans l'espace, comme je disais dans le live précédent. À la nage. Elle a, Après, attend, euh, en soi, ça me paraît pas absurde de dire qu'il y a probablement des speeders présents dans la base. Mais, mais... Mm. en tout cas de ce qu'on sait de la base c'était deux vaisseaux coréens et ils sont partis un détruit par là l'autre s'est barré et les, euh, les, les T-47 on sait qu'ils résistent pas à l'espace euh... mm. ah, ah, voilà, ouais. juste un truc quand même euh, pour, pour clarifier parce que Vanji qui dit on voit pas non plus Kenobi qui va au WC en, 5, en 6 films c'est pas ça la question ouais, mais... c'est que là c'est pas du tout la même chose justifier le fait qu'un personnage puisse se retrouver d'un côté à l'autre de la galaxie parce que Jabi mais Tatooine c'est pas la porte à côté déjà euh, oh. je veux dire il faut que pour qu'elle puisse se barrer, trouver un vaisseau. Je dis pas on forcément. Le montre, ça. Enfin, ou qu'on te le fasse comprendre d'une façon sans on le montrer. On le montre. vaisseau. Qui montre qu vaisseau... <laughs> qu'il qu y a un vaisseau qui traîne dans la base et qui a un hyperdrive. Ou à pas. la, à la limite sinon, si elle s'est soignée. Euh... C'est bah, ça. On apparaît comme ça par magie et on se dit bah, comment, pourquoi. On t'était laissé pour mort l'épisode d'avant. <laughs> euh... Non mais, mais, bon. mais pour moi ça c'est vraiment du foutage de gueule. Mais bah, bon. Après, voilà un hein, des plus gros défauts de, de l'épisode mais en même temps voilà, ils ont décidé de faire des je des suis pas d'accord que c'est un des plus gros défauts c'est un point négatif certes mais pas, pas le plus gros défaut quand même euh, c'est ce l'un des plus gros parce que j'ai quand même d'autres choses à redire sur l'épisode du, du point de vue de, de, du scénario en tout cas c'est pour moi le plus gros point noir de, de l'épisode pour moi pas, sans mmh. parler de la réalisation c'est comme je disais tout à l'heure du point In de vue du scénario peut-être après fait. effectivement j'ai un autre point négatif mais ça c'est Ai un autre la... autre aussi, oublié oh là là. Non, mais je pense a tous. mais euh, je pense que la réalisation pêche encore une fois à cause du budget hein. c'est la, la manière dont tu réinvestis ton budget après il y a des réalisations qui sont très bien sans budget mais c'est pour ça que je, que je dis que c'est absolument pas une excuse hein, ouais, mais qui, qui tremble à tout moment du fait qu on qu on quand on est quand même dix fois plus négatif que, que positif quand même genre il y a quand même des bons trucs et on se concentre quand même sur le négatif dans, dans le live qu'on est en train de faire en ce moment parce que le, le positif peut paraître évident ouais enfin, oui, oui genre... oh, vient ouais, bien aussi. sûr <laughs> mmh. moi, de me mettre en avant une explication, non. Une explication pour ça <rire> <rire> il la cherche ah on je, 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 en 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 pense en... quoi oh wait oh wait <rire> <rire> alors juste pour répondre à Lsar, le, le truc c'est que comment dire c'est pas forcément qu'il y a une incohérence si on n'explique pas tout c'est pas ça la question mais il y a deux trois trucs où bah, après en effet tu peux combler en disant si ça se trouve voilà quoi Mais bon après c'est c'est pas une horreur c'est pas une, une hérésie là de pas avoir fait une justification bon, pour que voilà mais disons que tu te Quand dis bien. bon c'est disons c'est un peu lazy à la limite c'est voilà mais c'est pas euh... ah bah c'est l'idée qui ressort quoi <laughs> c'est ouais de de flemme mais euh... Parce que tu vois, le, le fait qu'elle débarque sur Tatooine, ça me dérange pas du tout. Mais euh... un lazy, lazy writing, c'est l'amateurisme qu'il y a dans tous les, toute, toute la série, en fait, globalement. Après, comme dit Elessar, c'est vrai, en effet, il l'avait remarqué plus tôt, je crois. Euh, c'est vrai qu'elle arrive avec son vaisseau à elle, en soi. Si ça se trouve, elle l'a repris. Mais bon. Euh... Voilà, c'est. Ah. Comme, comme disait. Comme disait Arthur dans le tout premier épisode de Camelot, va falloir du plus concret que du si ça se trouve. Bon. Oui, oui, voilà, exactement. Mmh. Et en plus, en effet, Volan dans Star Wars, tu peux facilement voler un vaisseau comme on volerait une bagnole, même limite plus facilement en plus. Bah, ouais, facilement quand ouais. même. Tu rentres dedans et puis tu t'appuies sur trois boutons et c'est fini. Ouais. Ils ont changé le synopsis. Même ça. voler un spider c'est plus compliqué. Ah ouais? Ah, bah ça y est, ils ont arrêté de mettre leur synopsis de merde là. Maintenant, il y a un épisode final bourré d'action et fort en surprise. C'est un peu plus français déjà. Ah ouais, avant, vous aviez quoi, vous Parce que je crois qu'on n'a pas la même chose. Euh. C'était quoi Tu t'en souviens Bah, vu qu'ils l'ont changé, alors je l'ai mis dans mon montage de la vidéo, <laughs> de la review, je l'ai mis quand on s'en plaint. D'accord. <laughs> Donc, euh, <laughs> il est consultable là, si vous voulez voir ce que c'est. Moi, je vais, attends, je, vais je vais regarder si, euh, si j'ai toujours un mmh. truc de merde, moi ou pas. Euh, du coup, voilà. Est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter, Étoile euh, Non, c'est bon, je remonterai sur, euh, ah, oui. sur les autres. Ah oui, je pense qu'on avait le même truc, parce que moi aussi j'ai un épisode final bourré d'action et fort en hein, surprise. Mais, mais c'était pas ça au début. Hein. Avant, c'était un truc, genre je pensais que c'était la version québécoise en fait, que j'avais, parce que comme je vis au Québec, c'est vraiment la, la phrase foireuse québécoise en fait. Non, vous l'aviez. Ah, mais je l'ai là, je l'ai là. L'événement spécial final rempli d'action. <laughs> voilà, ça ne se dit pas. Ah, c'est très, <laughs> très awkward du beau français c'est très ah Google ben, je me suis dit ouais je sais pas ce que j'ai le Disney Plus en... en VFQ en fait c'est tout et euh... non ah non non c'est la tout pour euh, bah si t'as ah, pas d'autres trucs à rajouter euh, Johan va pouvoir se plaindre de la réalisation Allez. maintenant ah, on va pouvoir, on va pouvoir discuter alors on a It's more time. ah ouais carrément on <laughs> a dit de faire un négatif d'abord, puis positif après Ouais. Non, je vais faire dans l'ordre chronologique de l'épisode. Ah parce que je re... c'est <laughs> pas Il se complique retrier. la vie. <laughs> non, mais, non, mais je me complique pas la vie, c'est juste que je vais pas retrier mes notes après en fonction de si c'est bien. Vas-y, ah, vas-y. Vas 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 moi, j'ai tout en, en vrac. Donc, alors, vous en êtes déjà plein. Comment elle arrive sur Tatooine On peut trouver des explications. Pour moi, c'est un petit problème. Enfin, je veux dire, pour ça moi, c'est un énorme problème. <laughs> Non, non c'est pour ça. Je... Pour moi, c'est un problème aussi, mais j... c'est pour ça que j'ai tempéré un peu vos ardeurs parce que pour moi, boire. Bah, c'est surtout le fait que j'avais fait une blague en mode. Hey, imaginez. Euh... Enfin, je... pour moi, non, encore, Moi, j'avais pas pris ah, ça comme. J'avais blague, pris ça comme Pour le coup, j'avais vraiment vu ça comme un truc euh, probable, en fait. Quand tu. Ah, ouais, mmh. Après, elle d'accord. fait mmh. transpercer par un sabre laser, exactement. Et lui... puis on sait que non, bah, ouais. ça... ça fait rien, un sabre laser, c'est bien connu, n'est-ce pas, quand Mais c'est pas normal de dramatiser à ce point-là. Pegon, arrête, ouais, ouais, ouais. arrête de faire, ta, 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 ton sucre là, genre lève-toi. Pour quoi, moi, c'était pas un des gros problèmes de l'épisode. Ensuite, tu es transpercé par un sable quoi, Vas-y, ah, vas allez, arrête ton cinéma. On laisse parler Yohan. Deuxième note je cite tout en majuscule, Star Destroyer. Parce que purée, c'est la vie, ces trucs. Oh là là. Surtout qu'on ne l'avait pas bien vu dans l'épisode d'avant. Là, il est blanc. Là, il était. Oh, là. Le, le premier plan était un peu bizarre. Le plan où. Ouais. Non, pas celui -là, le suis où on passe et puis après on voit les réacteurs. Ça. Les textures le faisaient un peu bizarre. Mais oh ohlalalalala. Plaisir de revoir le Devastator. Ceux qui connaissent mon amour pour les vaisseaux impériaux. <laughs> euh, <voilà. rire> non, c'est vrai. Aussi la, aussi la musique qui va avec le. Oui, le, oui, des oui. Bah aussi, je, je, ce thème-là, j'avais oublié tout à l'heure. C'est l'épisode 5 en plus. Ouais, c'est le thème de. Sur Bespin Sur Bespin Ah oui, oui, sur Bespin. Tadam. Coure, quand il, il court. C'est Hyperspace. Euh, quand oui. il s'échappe de Bespin. C'est ça. C'est hyper space ok. Ensuite, point négatif, Obi-Wan récupère Lola. À quoi ça sert Pour, fin, Pourquoi il fait ça Il faut continuer avant de le jouer bah non. non, mais d'accord, mais, si, si, mais si, si, que une, que une, en une termes utilité. de plot, ça n'a aucune importance. Oui, une... faut il faut qu'ils reviennent oui. après sur Alderaan Mais oui, voilà. ils peuvent trouver n'importe quelle excuse. Même on n'a pas non. besoin de... Ça, ça, il faut juste y revenir pour l'avoir. Pour la ça, ça j'ai une, de... une interprétation simple, ouais. parce qu'au début, il dit, euh, j'aimerais bien avoir Lola avec moi pour qu'elle m'apporte oui. chance. Et du coup, Léa dit, tiens, vu que tu vas peut-être décéder, prends Lola. Chance. Ça te confortera. Ouais, c'est pas suffisant tout. parce que, parce qu'en fait, limite, genre il, il, la, il la sort et tout, il la pose sur le truc, tout ça. Tu te dis, ouais, ok, ça va servir à un truc. En fait, non. non, non, non. Mais moi aussi, je me suis dit ça au début, mais en fait, ça sert juste à lui porter chance, c'est tout. quoi. C'est comme euh, Obi-Wan croit en, en la chance. <laughs> Obi-Wan croit en la chance. Non, Il croit pas en la plante, non, mais ouais, un... en plus, c'est ouais, pas genre lui, il l'a pris, c'est Leia lui qui l'a filé, euh, donc bon, Léa, voilà, c'est un cadeau, ça lui donne de la force en fait. Je pense, enfin, c'est un point, moi, il faut pas trop réfléchir que... dessus, non, mais d'accord, je, je comprends, il faut pas trop réfléchir, mais en même temps, Enfin, sur enfin... ce point là, en ils, général, ils, ils insistent beaucoup trop dessus pour l'importance réelle que ça a. Je suis content qu'elle n'ait pas eu une importance plus significative, parce que vraiment, comment est-ce qu'elle aurait eu un impact sur le duel, quoi. Ensuite, là, je vais dire. Est-ce que, est que, est que j'ai déjà eu des, des points vraiment très controversés dans ces reviews Je ne pense pas. Ici, ça va être vraiment le truc le plus controversé que j'ai pu dire. L'épisode dernier, on avait le meilleur duel avec Vader. Ah oui. Dans cet épisode, on a le pire. Oh non hein Oh non Ah oh, ouais, non, là, par ah. contre. Euh, <laughs> être... le, alors, je... le combat ne va pas du tout parce que Vader est beaucoup trop rapide. Enfin, il n'a pas cette vitesse-là. Il est trop mobile. Il est. Enfin, Kikam à a tout bout de champ. On l'a jamais mais, vu. Même, même, même on l'a terme jamais terme de, de vu position, en tout live ça. action à cette période-là, à son en apogée. D'accord, mais en, en termes terme, terme de, terme de style de combat, ça, ça colle pas vraiment avec ce que Vador est en fait. Je suis vraiment ouais, pas d'accord. C'est plus, c plus hein. la force que la vitesse. On a, on a bien vu dans le combat avec Asoka. Enfin, pour moi, le combat avec Asoka, ça illustre assez bien parce que Asoka, c'est vraiment la rapidité, la vitesse. Et là, enfin, Vader, c'est des frappes lourdes, des frappes fortes. Et c'est pas, euh, hop, on fait des, des mouvements rapides à la Anakin Skywalker ou à la Mustafar. Non, c'est pas du tout. C'est mmh. Vader, c'est le, le, le gros tank. Il tape fort à une main ou à deux mains quand il veut vraiment taper très fort. Mais c'est pas, il va te faire des pirouettes avec son sabre. Enfin, non, pas du tout. C'est pas Vader. Donc pour moi, ça, c'est un gros problème. Voilà. Par exemple, la photo qui est juste là, la posture de Vader, ça fait très bizarre. Il est très, très courbé. Ouais. C'était très inhabituel, franchement. Je... Si j'ai bien compris, en fait, tu trouves que ça ressemble trop à du Anakin, c'est ça C'est ça, c'est beaucoup trop Anakin mm. et c'est pas assez Vader. Mais il y a pas plus de moulinets et de pirouettes de... en l'air en criant, donc ça va. Non, non, <rire> non. <rire> Ils ont pour... fait Tarzan non, sur... Pour... sur les lianes en mais <laughs> en l'air, mais... <laughs> mais le style de combat rappelle beaucoup trop celui de la prélogie à mon goût pour le coup. C'est peut-être l'intention, mais oui. Ouais, mais mais du coup, Obi-Wan, pour pas du tout Vader. Obi-Wan, c'est normal c'est très bien, j'ai pas de soucis. Moi, ce combat, c'est le clash entre, entre la prélogie et la trilogie originale dans le, dans le, dans le, le combat. Ouais. C'est ça, genre, t'as qui fait plein de moulinets, il fait passer son sable derrière son dos, il fait une pirouette, il fait un hobby anime, je sais pas trop quoi à un moment, t'es genre waouh. Et puis Vador, il est là, il, est, il lui fait face, et puis il répond, il bouge vite, oui, mais il va pas commencer à faire de moulinets et tout, quoi, il est, il est direct. Du coup, pour moi, c'est vraiment genre les deux styles de combat qui ont clashé ensemble dans ce duel. C'est deux époques qui se rencontrent dans, le, dans les mouvements. J'ai euh, pas tant remarqué ça en plus ouais, pour le coup. Il est, est mobile. Ça, les les le mouvements fait... d'Obi-Wan, le style de combat d'Obi-Wan, j'ai pas de souci. Mmh. Vader beaucoup plus et euh, c'est en fait c'est le combat où j'avais pas l'impression de voir Dark Darkman se battre en fait c'était un autre personnage d'accord mmh. qui, qui qui lui ressemble mais c'était pas vraiment lui et du coup ça comme si enfin, sorti pour ça sortait un peu que du truc mmh, d'accord ça m'a sorti un peu du truc d'ailleurs mmh. euh, c'est à, so... à partir de ce moment-là que j'ai commencé à noter des trucs <rire> <rire> pour ça te... je me pour... suis dit merde non c'est pas vrai <laughs> je vais m'occuper je vais noter des trucs <laughs> bah c'est ça euh, donc voilà, c'est c'est oui, stylé, c'est juste pas Vader, c'est pour ça qu'à mon avis c'est le moins bon duel de, de Vader, même s'il est très bien. Voilà, c'est juste de ce point de vue là, c'est le moins bon. Aussi, un... il y avait un truc qui était un peu bizarre pendant le duel, pendant la première partie du duel en tout cas, c'est quand Vader parle, ils ont fait une espèce de. Je sais pas si c'est le cas, mais de superposition avec la voix d'Aiden Christensen. Oui, oui. Qui était un peu bizarre, et c'est juste. Pas naturel en fait pour pour un Vader avec son casque intact, enfin son masque intact, un enfin, peu importe. Vous avez tu parles de quand, Have you ah come to destroy me ah bon? Euh, ouais. Ah, je l'ai euh, à peu ça. près à peu, à peu près à ce moment-là ou, ou, ou un petit peu après même mais je sais pas c'était c'est avant qu'on recoupe avec Reva etc c'est c'est très bizarre. Ah ouais. Oh, en parlant de... de Reva, en parlant de Reva, juste à un moment il y a Owen qui qui se bat avec un bâton. Reva, tu as un sabre laser. Comment tu te prends des coups? Enfin, juste tu le coupes en deux parce qu'elle finit par. Mais dès que tu le vois le prendre, en fait, je conçois qu'elle est blessée, mais enfin, il se trouve qu'elle a armor, armor. Largement le temps. Non, mais même, enfin, elle aurait pu le couper en deux, puis il se bat avec la moitié, puis après elle le recoupe, et puis après il se bat. J'aurais préféré qu'il ne repasse comme Old Wounds. Dès qu'elle arrive, elle se prend un coup de sniper. et puis attends, attends. Garde ça pour tout à l'heure. <laughs> enfin, bref, voilà, ça c'est un, un petit, une petite critique. Reva, tu as littéralement un sabre laser, tu fous quoi pour lire ce que j'ai écrit? Euh, un truc que j'ai bien aimé, c'est que Obi-Wan trouve sa force dans un nouvel espoir. C'est à dire que c'est on, on ouais. la, la, la boucle est maintenant bouclée. C'est à dire qu'au début de la série, il n'y arrive pas parce qu'il est hanté par ses souvenirs. Mmh. D'ailleurs, la, 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 la séquence est assez subtile à ce sujet, n'est-ce pas? <laughs> Your strength has returned. Non, non, pas ça, c'est quand il est sous les cailloux. Oui. Ah oui. c'est ouais. il, il a tous les flashbacks de ouais, Anakin, c'est Vader et ça, il a, il a échoué donc du coup il arrive pas. Puis après il voit Leia et Luke et du coup il arrive. C'est peu subtil. Ouais, mais Alors, ça marche. Bien. Ça marche, ouais. ouais. Ça, ça marche. fonctionne très bien. Moi j'ai mmh. beaucoup aimé. Même mmh. si, même si ça aurait un poil plus de subtilité ça aurait été bien, mais ça va, ça ne me dérange pas. Ouais, mais toute la série c'est vraiment l'évolution de la psychologie de, de B1. De bien B1. sûr, bien sûr j'ai enfin, euh... fait, fait un bilan de la série ah. de l'épisode et vu qu'en plus c'est le cœur du truc c'est bien que ce soit bien fait quoi donc euh, c'est ah ouais, ah, après le coup, a, après ouais. c'est à mon avis un peu trop explicite mais euh... faut que ce soit compris aussi hein. c'est pas très grave non ben bah, faut que ce soit compris après oublier qu'il y a des gens qui comprennent rien <laughs> oui des bah, gens qui comprennent rien ils font des efforts et ils comprennent ça marche si on fait tout pour les gens qui comprennent rien non mais enfin je veux dire <laughs> si si ça, ça, enfin, hein. rien, euh... non mais si au cinéma tu fais tout pour que pour ceux qui comprennent rien bah, tu vas oui non bien sûr faut faire Ensemble. faut trouver un juste milieu entre ah, oui, les deux mais... c'est ça là, là, là le juste milieu n'a pas été trouvé mais c'est pas ultra dérangeant parce que ça reste bien fait voilà tu comprends <laughs> rien arrête ouais, c'est ça <laughs> il y a des gens en vrai quand tu parles avec eux tu as l'impression qu'on n'a pas vu les mêmes trucs en fait ces gens non mais je, moi moi. Je, 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 con je conçois bien mais enfin c'est enfin, vous avez compris un, un moment il y a dans la suite du, du duel il y a Obi-Wan qui, qui pousse Vader avec la force mmh. il le pousse extrêmement loin ouais c'est inhabituel de la part de Vader parce que lui est, en général il, genre, il bloque le truc et là, là pour le coup ça m'a ça vraiment je, je, ça m'a vraiment surpris parce que bah comment ça se fait qu'il se laisse pousser aussi loin euh, dans un caillou tout ça parce que la seule personne qu'on connaît qui a fait ça euh, pour l'instant c'est Starkiller <laughs> Ah ouais, potentiellement. Mais parce oh, que, pour le coup, qu'il qu soit malmené, je trouvais ça tellement logique et j'étais content qu'il fasse non, mais Non, c'est logique, logique, mais juste le fait s'il résiste un peu, euh, il, il arrive à peu près au même niveau, mais en résistant. Il le fait d'ailleurs. Non, il le il fait, fait après, après. parce, parce après, que dans, après, sa première, dans, la, dans la première poussée, c'est juste il se le prend de plein feu puis ah, il a envoyé voler presque Palpatine épisode 3. Euh. <rire> <rire> Ouais, mais... ça, ça c'est un autre petit problème. Obi Wan, mais est, Obi -Wan problème. Est, est puissant et je sais pas, il n'arrive pas à bloquer son sa poussée de force. À ce moment-là, la force était avec lui et puis ouais, c'est tout. Non, bien sûr, en, en parlant d'Obi Wan et de la force qui est avec lui, le plan où il soulève tous les cailloux, ah, c'est oui. pas un fanart ça <laughs> ouais exactement, c'est pas un fanart euh, moche de, de Ben Kenobi euh, qui soulève des blasters. Exactement, ça. exactement. J'ai tellement pensé à ça. En fait, le truc ouais. fait, fait très cheap. Il fait aucun mouvement pour projeter les trucs. À limite, s'il en faisait un petit peu, mais là, c'est vraiment. Je suis Jésus Kenobi. Ah il un peu de Y a un peu de ça. Moi, ça me fait penser aussi. Vous voyez le même avec les deux catcheurs qui se font face et qui lèvent les bras. Oui, oui. Oui, ça. En fait, le plan fait tellement. Le plan fait tellement chier. Et puis après, bon, Vader qui se fait battre par des cailloux. Bon, d'accord, ce stade, pourquoi pas. Il, il, il se fait, pas fait malmener par des cailloux. C'est pas les cailloux qui le battent en soi. Non, d'accord, mais il se fait vraiment malmener par des cailloux. Quoi, quand même. <laughs> bon, c'est pas très important, mais c'est marrant. Euh, la, le coup que Kobe qu One met à Vader euh, sur, son, sur son, 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 son masque et sur sa tête, du coup, euh, on n'a pas vu de, de cicatrice. Mais est-ce que ça pourrait pas être ça l'origine de oui, sa cicatrice J'ai pensé à ça et ouais. on la voit hein, sur le sommet de son crâne. On la voit, hein, ouais, on la voit. On la voit j'ai pas fait vraiment attention, mais c'est un petit parce que maintenant on C'est peut-être l'origine story de la cicatrice qu'on voit dans Retour de Jedi, mais ils ont pas du tout mis l'accent sur la cicatrice. C'est très discret, tu le vois pas. C'est juste que tu devines, mais c'est pas mis en avant dans l'épisode pour le coup. ouais Ça, c'est les petits clins d'œil. Ensuite. Là, on, on entame les clins d'œil. Parce qu'il y a beaucoup de gros plans a... sur le visage aussi, donc... Euh, ouais. ouais, bien sûr. On voit pas de... trop le... le... gros plan sur le visage qui tremble à fond la caisse, parce que... <laughs> parce que Deborah elle est ça. comme moi, elle a pété son trépied, donc elle l'a toujours pas remplacé. Même, même, sur, même sur les gros plans sur leur visage à la fin du duel, ça tremble, mais pourquoi pourquoi tu, enfin, tu trembles à ce point On peut même pas, on peut même pas se concentrer, on peut pas voir les détails des visages. J'avoue bon, que je ne suis, euh... suis pas, pas fan. Très, très fan <laughs> non, non plus. vraiment un, choix... un choix complètement intentionnel, mais c'est vrai que c'est bizarre. D'ailleurs, pour le un coup, choix, tu ne re... peux pas reprocher ça à George Lucas qui lui faisait des plans très fixes et très droits, au moins. Ça ne bougeait pas. De toute façon, George Lucas n'avait pas ce problème, il n'a jamais fait de gros plans de sa vie. Oui, mais même. Je veux dire, quand tu prends des, des plans, etc., c'est quand même très stable, en fait, ce qui fait. Donc, au moins, tu vois... Ouais. C'était ce qui m'avait... un très, peu choqué, c'est très, créé, noble, entre guillemets. C est, c est... Tu sais, avec C'est euh... <laughs> ce qui m'avait fait bizarre, d'ailleurs, avec l'épisode 7. Tu sais Avec cette, cette ah, mise oui. en scène de Abrams qui bouge tout le temps aussi. Mais dans le sens où ça reste... En... C'est pas comme, comme là, là, où c'est tout le temps en train de trembloter, quoi. Mais genre, où c'est tout le temps en mouvement. Genre, la caméra, le plan commence avec un mouvement de ouais. caméra, c'est tu sais, genre vous. Ou des trucs comme ça, tu vois. Donc euh... un truc que j'ai remarqué dans l'épisode 8, pour le coup, ouais. euh, c'est peut-être ouais. aussi, c'est un truc ultra discret, mais quand il y a des gros plans, quand même, ça bouge à chaque fois un tout petit peu. C'est jamais, en fait, la caméra n'est jamais ultra ultra fixe. C'est toujours des petits mouvements pour suivre un truc. Ou... On se rend pas compte, oui, mais, mais c'est léger C'est léger. C'est extrêmement léger. J'ai remarqué oui. ça très récemment, et pourtant c'était la 20 20e fois que je voyais le film. enfin donc. Euh... Ouais, ouais, ouais. <laughs> Mais je vois ce que tu vas dire. Mais ça, ça, ça amène du réel aussi en plus. Mais là, bon, c'est, trop sais, réel. Sais, là, hein. <laughs> là, là c'est, c'est juste épileptique. Non, non pas épileptique. bon, enfin, oh, 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 Et par ouais. ça, vu que c'est le sixième épisode, je me suis, enfin euh, moi, enfin, euh, je, je me suis habitué. Ça m'a pas tant dérangé que ça. Non, non, non. Mais bon. Ah, bon. J'avoue que j'aime bien la stabilité aussi ah, au ça, cinéma. <laughs> c'est vrai. Donc ensuite donc pour les clins d'œil, clins d'œil il y a une réplique de Ben Kenobi dans l'épisode 6. Ah, et He's more, He's more ah, non. machine. Non ça ça va. Bon. Parce que on va Comment le, bon le... Non, en fait, il, il tape il tape la machinerie et puis du coup bah il s'arrête. Ouais, donc c'est plus une machine enfin, il, 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 il casse les boutons puis le truc il marche plus quoi, il est cassé. J'aime beaucoup ça, les le retour des bruits d'ailleurs de l'épisode 6 c'est le je sais pas quoi là, les bruits bizarres ouais. de l'armure hein, c'est magnifique ça vous l'entendez aussi dans Rebel dans la même situation très... hein. j'adore ça. Ah, ouais, ça, autres... ça ça on le voit assez souvent quand même mais, euh... ouais, mais... j'aime toujours en, quand les en, entendre en, ouais. il, il est systém... il systématiquement même s'il là il était pas là beaucoup il lui a fait un petit coucou puis après il s'est barré quand le ouais. truc était complètement explosé <laughs> c'est ça euh, je ah, sais pas ouais. si c'est dans les diapos, une réplique de l'épisode 4 de Ben Kenobi à Luke Skywalker mm -hmm. euh, sur le sort de son père. Est-ce que c'est dans les ah, diapos Non, vas-y. Ok. Ça, il a été tué par quelqu'un qui s'appelle Darth Vader. ah oh, bah tiens. Ouais, c'est ce que dit si, Vader. Si ça, ouais. c'est pas exactement mmh. ce que dit Vader dans l'épisode, C'est t'inquiète pas. C'est pas toi qui as tué Anakin Skywalker, c'est moi qui l'ai tué. Bon, bah d'accord, tu l'as tué. Bah du coup, Luke, voilà, ton père, il a été tué par quelqu'un qui s'appelle Darth Vader. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, oh, truc très oh, Dieu, intéressant, from a certain point of view. Mais d'ailleurs, truc très intéressant là, avec cette réplique, c'est que, que, que ça participe un peu au. Comment dire Au chemin d'Obi-Wan, cette réplique. J'ai l'impression que Vader, sans forcément le faire exprès, mm -hmm. mais. Genre, soulève ce poids là, de, de la conscience d'Obi-Wan. Euh... Exactement, c'était assez, assez bien elle, elle fait. Sur Obi-Wan, il a fait plutôt un bon travail en fait. Euh, ouais. Vers le moment où, où Anakin était en train de, de, de basculer, Obi-Wan il faisait un bon travail, il faisait du mieux qu'il pouvait. Voilà, ça. ça. Donc, Mais, franchement, à, à ce moment-là, c'est pas de ta faute. Ça... Après, après, pour les 10 années précédentes, peut-être, même si Mace Windu existe. Voilà. En euh, fait, pour arrêter d'être. Et Yoda euh... aussi d'ailleurs, parce que oh, faut merde. pas l'exenter de Yoda. tout. Ouais, non, Yoda il a merdé aussi. Hein. Ouais. Pour euh, arrêter euh, d'être défensif et pour en général, redevenir euh, en équilibre avec lui-même, il fallait qu'il se débarrasse de ce poids-là, c'est-à-dire qu'il ouais, est, per est persuadé que c'était de sa faute en fait, que, que, Après, est, que Anakin est devenu Dark Vador. Parce qu'il est pas sûr que, son que ça enfant. fonctionne comme ça, c'est-à-dire euh, quelqu'un te dit, eh, mais c'est pas ta faute, et puis hop, c'est plus ta faute. Non, ouais, pas... mais il, il a senti mais... que c'était complètement une autre personne en fait. Mais tu vois ça, ce dialogue-là moi personnellement, je, je, dans mes. Euh, ce que j'imaginais, j'imaginais que ça allait être plutôt Qui-Gon qui allait qui le libérer de ce poids en fait. Mm. Quaigon qui, qui discute, genre, I failed master, I turned him into a monster. un dialogue comme ça, tu vois, j'en sais rien moi. Et Qui-Gon dit non, il a fait ce choix par lui-même, il faut que tu arrêtes de te morfondre maintenant, il faut que tu pro te protèges la nouvelle génération. Donc euh, voilà quoi, on a besoin de toi, euh, tu vois. Et que je suis d'accord, dommage, je ne pas le voir parce que ça trempe trop. Oh non, euh, quand même, on arrive quand même à distinguer son mm -hmm. jeu, euh, pas exagéré donc, ouais, ah, mais attends, oui. il bascule de la gauche à la droite ouais. du et puis après il va sortir, puis il va pas sortir. Ah, le jeu d'acteur, ouais. quand t'as les larmes qui viennent aux yeux, non, franchement, Je vois ce moment-là, j'étais pas bien. <laughs> I'm sorry for all of it. Ça, ils ont réussi à faire une scène ouais. très émouvante et bien faite, ouais, je trouve. Ouais. ouais, pour le coup. Ouais. Ouais. Maintenant, la prochaine référence, c'est à la fois une référence et une non-référence. C'est-à-dire que dans la même phrase, ils ont, ils ont référencé un truc, oui, Et ils, ont, ils, ils ont oublié de faire référence à un autre truc. Oula, attends, je vois même pas la. I was but the learner. Ah oui, donc d'accord. Réf... Ça, ils ont déjà bien, bien fait comprendre dans l'épisode 5. Et dans le 6 non, aussi. La de le... Non, mais attends, la attends. Peine de I, was le but... I was but the learner. Donc, d'accord, c'était encore l'apprenti. Il l'appelle maître. D'accord, c'est cohérent. When I left you. Non, mais. Ça parle oui, encore de Mustafar Je me souviens qu'on on en avait discuté oui, que... euh, Non, mais c'est vrai qu'il il, il a vraiment laissé sur Mustafar aussi. C'était enfin, ouais, ça, tout simplement. Cette phrase C'est toujours... Ouais, ouais, bah, toujours la même situation qu'avant la série, en fait. Oui, <laughs> ça, ça, je... ouais, mais ça veut pas dire que la situation était bien. Et je m'attendais vraiment, vu qu'ils font des références comme ça pour entre guillemets pas réparer mais améliorer la continuité. Mais en fait, il enfin, lui dit, la dernière fois qu'on était ensemble, donc, euh, elle est, enfin, non, euh, sur Mustapha, left euh, you. là maintenant, il s'est passé du temps, et bah, Oui, mais when when I left... à, ouais. il, en fait, il l'a jamais quitté. Mais si enfin, when, when I left you, ça fonctionne pas vraiment. When I left you, de Jedi, euh, tu mais vois. Là, en que, euh, général, ouais, au niveau de l'ordre oui. tout ça. Quand, quand il l'a quitté, ouais, bon. dans le sens où euh, bon, il, a, il a trahi euh, l'ordre Jedi. J'accepte l'explication, même si c'est toujours... Surtout que le problème bon. existait déjà, euh, ça envenime pas le truc, euh, c'est un, un détail. problème de non-référence, Obi-Wan's thought as you do. Alors ça, non, je suis d'accord je, je que au début j'ai ré... mal réagi, j'ai fait mais ils sont sérieux, c'était l'occasion rêvée de donner du sens à cette réplique. Sauf qu'il en fait, y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Y en a. <laughs> Alors vas-y vas Bah voilà, c'est un problème que j'ai. Bah, je trouve qu'en en fait... Pas fait... application tribune. Bah. Surtout qu'en plus, le truc c'est que dans la. Dans la c'est plus par rapport. Moi j'avais plus compris par rapport au genre Anakin Skywalker existe en toi. Tu sais oui, Exactement. Pour moi, c'est vraiment genre Obi-Wan pensait que j'étais encore Anakin. Ouais. Tu vois, Luke, là tu es en train de m'adresser en tant qu'Anakin. Tu me tu m'appelles Anakin, ce, ce nom qui ne veut plus rien dire pour moi. Et euh, bah, en fait, euh, là ça, ça me rappelle ce moment là sur. Euh, Sure, je vais affronter Obi-Wan et il a commencé à discuter avec Anakin alors qu'il n'y bah, avait pas d'Anakin genre arrêtez de persister en fait hmm. genre il n'y a pas d'Anakin et du coup il, il dit Obi-Wan one stop as you do il a aussi cru qu'il parlait Anakin en fait non tout simplement c'est un, un peu far-fetched oh, pas... Pas, pas tant que ça ça marche bien pas, 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 pas. Qu il qu'il y avait encore euh, du bon en lui qu'il y avait encore Anakin, Anakin égale le bon en lui et que du coup euh, il pensait pouvoir dialoguer avec lui quoi Mmh. À ce moment-là, alors que ça sert à rien, genre tu parles tu parles juste à un, à un monstre en fait. Ce qui est dommage, c'est que c'est peut-être pas plus mis en valeur. C'est dès le début de, les, de la confrontation, du style, euh... tu sais là. Alors, ouais, ça commence un peu trop que... euh, attaque, tu vois. C'est un truc que je voulais un truc qui... Ça m'a dérangé aussi, c'est que encore une fois, pour le coup, j'espérais vraiment que ce serait pas le cas. Enfin, je... c'était impensable que ce soit le cas. Encore une fois, c'est Obi-Wan qui dégaine en premier. Exact. Mmh. et C'est un problème. C'est un gros Exactement. problème. C'était déjà un problème de base et là c'est encore plus un problème. En fait, pour vous citer un truc que j'avais sorti lors des lives précédents, il revient pour lui niquer sa mère. Il est, il, est, il, est est toujours, il est toujours en mode je vais te fumer. Alors I que do what I must, avait... cette phrase ne, il faut enfin non on, a, on non. avait discuté euh... cette phrase ne va pas il la réutilise et en plus il redégaine en premier non ça ne va pas. On avait dis un on aurait, on aurait, on aimerait bien que enfin on disait qu'on qu aurait bien aimé que l'épisode euh... Euh, final, il y a justement un dialogue lors du combat un, un, que Obi-Wan essaye de discuter, de raisonner Vador et qu'il y ait une sorte de discussion. Voilà, quoi. Bon, il, il y a cette connexion avec ce passage-là. Un avec peu, Anakin, ouais, ouais. sorry Mais moi, personnellement, je dirais que j'aurais préféré qu'il y ait un, un, un petit dialogue avant qui dégaine ouais. les sabres. En fait. Ouais, donc, bah oui. Dès, 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 dès qu'il qu arrive, arrive tu es venu parce pour me dire. Dans l'épisode 3, 3 c'est euh, Obi-Wan qui dit Ouais, euh, t'es un méchant, euh, c'est pas bien. Enfin, non, même pas c'est vrai, c'est t'es un méchant, euh, donc t'es un méchant. Et Vador qui te dit, Ouais, je suis un méchant. Et Ben qui te battait un méchant, donc je te tue. Ouais. Alors, non, mais et là, c'est la même. Je, trouvais... je m'attendais vraiment. Tu sais, la musique, elle s'arrête quand ils arrivent face à face. Vador, Bun, je me suis dit, Ok, c'est bon, ça va discuter là. Et puis là, ça sort le sable chez Jean. Quoi Genre uh, well, non. non. Ouais, non, 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 non être... discuter. Je sais pas. Sinon, euh, sinon <rit> il y a un coup, La prochaine, je suis absolument sûr qu'elle est dans le diapo, sinon c'est honteux. C'est honteux. Euh, c'est avec Truly Dead. Oui, euh, bah tu ça c'est... Euh... Comment ça Oui, oui. Uh, then my friend is then... truly dead. Then my father is truly gone. Ah She's oui. Truly dead. Mm. Donc, référence. Est la elle, elle est dans le diapo elle n'est pas dans le diapo Ah, il n'est pas, mais il y a plein d'autres trucs, t'inquiète. Ah, il n'est pas, oh là là. Ah, ouais, non mais, mais ça en fait, il y a beaucoup de, ça, de références à d'autres euh... ré... Mais ça j'y viendrai plus tard, dans un, un truc bien plus Obi -Wan détaillé. Obi-Wan Obi ouais. qui dit, then my friend is truly dead, qui fait écho à la phrase... Identique de Luke dans l'épisode 6, Dan My then father my is, is truly gun. dead. Ah, il really ouais. dit gun ou Il y a, ou il a plus Je regarde, il me semble qu'il dit dead. Jordan, j ai j ai Jordan, ouais, c'est l'idée. Et ça explique en plus, ça, expli ça, explique, ça rajoute de la profondeur à la réaction de Vader parce que Dan My Fab est truly dead et ensuite Luke part avec les Stormtroopers et Vader reste et il, ouais, il ouais. appuie sur le, sur le balcon. C'est lui remémore, ça. My father is truly gone. Et oh, everyone, euh, Then my friend is truly dead. Non, il me semble qu'il dit truly dead. Ça, ça se vérifie, mais il me semble vraiment qu'il dit truly dead. De toute façon, dans un cas ou dans l'autre, hein, ça veut dire la même chose en soi. C'est ouais, la, la phrase identique. C'était un bon choix de, de, de référence, mais ouais. c'est globalement euh, un truc que j'ai pas dit dans mon avis tout à il y a beaucoup de références à d'autres contenus Star Wars par rapport à la mise en scène et aussi par rapport aux, aux répliques. Et honnêtement, je ne suis pas fan en fait. J'aurais bien aimé qu'ils se distinguent eux-mêmes et qu'ils osent de nouvelles répliques ou des nouvelles mises en scène plutôt que faire référence non-stop à, mmh. à des répliques de l'étreinte originale ou aux séries animées, n'est-ce pas donc, euh, le genre ça, Rebels, ça, en ça. fait, c'est ça qui me dérange. En fait, c'est qu'ils nous ont. Enfin, cette scène est super cool. Ils nous ont fait Ahsoka contre, contre Vador dans Rebels, mais vraiment, même réplique par réplique. Then you will die. Euh, je veux dire, euh, Anakin, euh, ensuite il s'excuse. L'autre lui dit, um, I won't leave you not this time. Ensuite il dit, Then you will die. Genre, je vais pas dire mot pour mot, pareil, mais. Euh, il il c'est des similitudes. De ronction, mm. Genre, mais il y, y a similitudes et, euh, genre, euh, que tu peux copier mon devoir et changer de trois trucs, tu vois. Mmh. Fallen Order on... et l'épisode 4, tu veux dire <laughs> C'est ça, non, mais là, c'était assez différent quand même. Mais là, euh, là c'est vraiment. Euh, Allez, on casse le casque, on voit l'œil, on voit Anakin en dessous, sa voix, elle est mixée avec celle de Vador, euh, tu vois, genre. C'est la même chose, c'est pour ceux qui n'ont pas vu Rebell. Après, Rebel. Après c'est logique, c'est logique dans le cadre de la oh série. Non, mais c'est génial! C'est juste qu'en fait, le truc, c'est qu'ils qu fassent deux fois exactement la même chose, ça enlève de l'émotion la, de la, de et de l'importance, en fait. Bah, le truc bon, que... je, je, je veux pas dire que c'est dommage qu'ils aient fait ça, mais c'est dommage que ça ait été fait avant. Un... Oui, exactement. Cette scène dans Rebell, pour moi, c'est un moment Star Wars préféré cette confrontation avec Vador et. Eh bah moi, j'aurais et... un truc à vous dire ouais. par rapport à ça, mais on en parlera tout à l'heure. Le fait qu'ils le refasse. Justement, tu vas voir. Dommage. Oui oui l'histoire du côté gauche et le droit c'est cool mais j'aurais préféré qu'il tente un autre truc plutôt que refaire la même chose parce que du coup elle a plus la même émotion, cette scène je trouve dans Rebels tu comprends moi je trouve que ça ça nuit pas l'un à l'autre je trouve que c'est logique vu ce qui se passe en dans Rebels ça n'a en mode oh shit not again bah ouais mais bon après bon ceci dit il y a quand même quelques années entre les deux mais oui bien sûr mais surtout qu'en euh... plus j'ai vu euh, comment dire moi j'ai été très impacté par les deux que ce soit celle de, de, de Rebelle que ouais, ce soit celle-ci donc euh... quand t'as pas vu Repel c'est génial enfin je veux dire mais quand t'as déjà vu mais même si tu l'as vu aussi hein. enfin moi je trouve que ça a été génial aussi même si, même si c'était déjà présent d'une certaine façon dans l'autre euh... j'ai trouvé ça génial comme toi mais au deuxième visionnage pas au premier au premier j'étais juste en mode but why <laughs> ah mais bon après, hein, voilà. Si, si tu veux faire appel à la part d'Anakin, tu vas pas lui lui enlever un bout de torse, tu vois ce que je veux dire quoi. Tu lui enlèves le visage, c'est logique. Quoi. Mais à la limite, ça, je crois que c'est Yon qui disait ça. À la limite, ça ça nuit plus dans le sens où ça a été déjà fait avant et que du coup, bah, c'est la chose logique à faire avec Vader là-dessus. Que du coup, bah, tu peux pas forcément t'en euh, t'en éloigner Parce que tant que la ça, limite, quoi. Même si. Euh... Trully même <laughs> En fait, même s'ils n'avaient pas vu la série, ils auraient pu faire ça comme une idée et ce serait bien passé. En fait, si... Bien sûr. C'est une idée qu'ils auraient pu avoir, même indépendamment de, du truc. Et donc, Parce que c'est le truc logique. C'est ça, c'est un peu ça. Je vais venir sur les points de ma checklist après pour voir quel pourcentage <laughs> a été validé. Yoann, est bah, est-ce que tu as d'autres trucs à... Euh, J'en ai deux, trois. Vas-y, vas-y. Vas la tête de palpatine, un peu bizarre, même si bon, pourquoi pas. J'ai juste oublié de mettre ses eyeliner, euh, ce genre de C'est peut-être un maquillage un peu moins onéreux. Ouais. On dit, ouais, on le verra de ah. loin, ce sera un hologramme. T'inquiète, Yann, on va pas trop foutre trois tonnes de maquillage sur la tronche. T'inquiète, ça passe. Ouais, bah, du coup, non. <laughs> le, pour le coup, il y a un truc qui m'a intéressé aussi parce que. Bah, on a perdu Georges Cless, malheureusement. Oui, c'est pas le même doubleur, mais bah oui évidemment c'est pas le même et du coup, j ai, j ai, du coup ça m'a vraiment intéressé de, de savoir qui reprendrait le flambeau et euh, même si c'est assez différent de georges Kless qui avait un, un timbre une façon de parler assez particulier ça passe pour Palpatine en fait ça passe très bien pour Palpatine mmh. ça, ouais. ça, ça, rappelle, ça rappelle plus ouais. celui de l'épisode 5 et, et 6 moi j'ai mis juste la VF pour écouter la, pour écouter la voix de, de Qui-Gon ah, bah, la Barthe, ça, ouais. bah oui c'est le même ouais. Ouais, ouais. quel plaisir putain et ensuite, les, les trois suivants, Imperial March, Thème de Leia, Force Team. Euh, c'est ben très cool de les ouais. avoir, c'est vraiment génial, mais on aurait tellement dû les avoir avant. Ouais, mais Nathalie avoir... la, Holt a dit oui, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas encore devenus euh, ce qu'on connaît <laughs> dans ça. T as t as ça, la ça. La mar <laughs> marche impériale, on ne l'a jamais entendue dans l'épisode 3. Le thème non, de Leia, on ne l'a jamais entendu mais dans l'épisode 3, 3 non 9 plus. 9 Et le thème de la Force, on l'a jamais entendu dans l'épisode 3 avec Obi-Wan à la toute fin non plus. J'ai pas euh, j'ai pas bien compris l'idée ouais, derrière, c'est ouais, dommage. Euh, c est, c est c est juste, la, la marche impériale, on aurait pu s'en servir quand Vader est là. Le thème de Leia, on aurait pu on aurait pu avoir plus de remix du thème de Leia. Faites des remix du thème de Leia. Mmh. Oh, oh, oui, 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 vous, oui. vous avez le Leia à l'écran, vous allez un thème. <laughs> thème. Faites, faites des trucs. Wow oh, 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 oh. ah. transformes Transformant oh, Durandal, ouais, ouais, comme en toi. <laughs> le, le thème de Leia comprend la logique de Nathalie Holt pour le coup, parce qu'il n'y a pas Leia dans la dans la prélogie du coup. Et là, elle elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a son, thème, elle a dans son thème dans le 3 en plus. On entend le thème de. Ah oui, c'est vrai, d'accord. On entend le thème de Liga. <laughs> c'est ça le vrai, problème. C'est vrai sur, sur Alderand. Okay, Après, par contre, pour Je rebondir sur ce que tu euh, disais, Jordan. quand même, Johan, euh, pour rebondir <laughs> sur ce que tu disais, est-ce on a besoin. C'est bien de citer. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment faire une cohérence tu vois, musicale, de thèmes, etc. Justement, autant profiter d'un catalogue comme sur Star Wars, on en a énormément. Après, tu vois, par exemple, le réserver pour certaines scènes qui, qui ont vraiment du sens, pas forcément le mettre tout le temps, euh, le mettre à ouais, certains endroits particuliers. Voilà. Mmh. Mais là, il, enfin, le problème, c'est qu'il n'y en fait, a le rien. C'est que... mmh. ça, le problème, c'est que c'est remplacé par une musique qui n'a aucune espèce d'incidence. Bah, même Mais quand on arrive à soulever les cailloux et de se sortir du truc. Une version un peu foirée de son thème euh, de, de la série, qui est d'ailleurs une des, des seules musiques de la série, hein, un peu comme de Batman. Néanmoins, enfin, <laughs> il soulève les cailloux, puis tout, 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 et puis ensuite on passe à autre chose. Alors, c'est pas, je... pas rendu, c'est pas rendu, euh, ouais, non, mais non, je sais ce que tu veux dire. Dire. Je sais ce que tu veux dire. Après, par contre, il y a deux le, trois thèmes thème de la, de la, la série qui sont pas là, mal. Quand bien, mais bien. Euh... Bah, faut... Le thème du, du duel entre Rava et Vader, euh, encore une fois, il est magnifique selon moi, mais ouais. Enfin, le thème de la force est tellement sous-utilisé. Il est utilisé qu'une seule fois. En fait, je pense que s'il avait été utilisé à deux moments différents, en plus le, le moment où il sauve Leia de la chute et le moment où il oui. sort des cailloux. Oui. Juste deux, deux moments, tu le rajoutes. Et ensuite, j'ai plus rien à dire avec le thème de la force. Ah, parce que par exemple, tu vois ceux qui te font une, un edit en vidéo avec le duel de. Euh, non, mais... c'est non, c'est euh... non. C'est pas possible, c'est juste que tu trop. pas su de musique. Tu, raj... tu, tu, tu dis que celle-là. Ouais, enfin, tu... Les gens qui disent que c'est mieux pour le coup, je suis pas vraiment d'accord. Non, non, non C'est gens basiques. Genre. Euh... Après, par contre, je suis Yoan, pas déçu pour la musique du dernier, mais bon. Yohan, pour le thème de la force, tu comprends, la force elle n'est pas encore devenue elle-même. Non, c'est vrai... vrai que cette déclaration était quand même un peu bizarre, mais bon. Non, mais je euh, celle... suis désolé, mais j'ai plus envie qu'elle rebosse sur deux Star Wars, du coup, parce qu'elle a juste pas compris, quoi. Enfin, bref. C est, c est... Ouais, c'est un peu dommage, surtout qu'en plus, elle a du talent, euh, Nathalie Houlton, donc... Euh... Ah oui, en plus, j'ai adoré Loki et le thème de... dans Loki, c'était cool, mais là, j'ai l'impression qu'elle a, elle a juste loupé, euh, elle a loupé en fait, c'est tout. Surtout qu'en plus, malgré tout ce qu'on a pu dire sur Book of Boba Fett, on pouvait pas dire que la musique était pas bien, par exemple, tu vois. Au moins, il est présente, quoi. Le seul critique avec Book of Boba Fett et la musique, c'est qu'ils ont pas réutilisé son thème de Mandalorian, mais ils l'ont utilisé deux trois fois. Si quand même. Non 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 beaucoup plus. Beaucoup plus que deux trois fois. Si t'écoutes toute la BO quand même. Bien sûr, mais ce que je reproche, c'est que c'était pas le thème principal. Enfin peu importe. non non. Je vois ce que tu veux dire. Le, le, thème, le thème de Boba dans, bah, dans la Cité des Nuages, dans l'Empire contre-attaque, on l'a pas entendu. Spoiler, euh, il a si. Thème. si, si. si, si. Thème. Ah, il y a un thème. Officiellement, oui. Il y a un leitmotiv. Je peux te le euh, faire si tu veux. Après, après, c est, c est, non, mais je, je, je le connais, mais c'est juste non, officiellement. C'est dans Battlefront 2, parce que Battlefront 2, ils prennent des trucs, ils disent que c'est les thèmes. Hein, non, non, c'est reconnu. à euh... cette musique dans l'épisode 5. Mm. C'est reconnu en plus par des universitaires qui ont utilisé qui ont étudié la musique de Williams, c'est tout. Donc non, c'est juste, c'est un peu, c'est un peu bizarre parce que c'est juste apparaît dans une seule scène en fait. Pas que sur Bespin aussi. C'est ça. Moi je pensais à un autre thème même, tu vois. Ouais, Non non, c'est moi c'est le. Attends c'est comment déjà Pa... Ah pa -pa -pa -pa. oui, ah, ouais. ça, ça c'est de Boba Fett aussi. Ta... Ouais. C'est reconnu comme un thème par certains. Bref, encore une fois des toutes les Mais Mais c'est du L'ancien Boba, Boba et... c'était le chasseur de primes, du coup c'est normal qu'on l'ait pas entendu dans la, dans la série Book of Boba parce que c'est pas le même personnage. Et là c'est Boba le gentil. du coup Tu réponds à ta propre critique. Oui, c'est ça. J'ai réfléchi, je me suis dit en fait non, du coup ça marche, c'est tout. Ensuite, de trois dernières critiques waouh le hello there c'est cool mais ça fait assez forcé non alors vas-y vas-y non, le... non mais c'est très cool c'est très cool, cool, cool alors, alors, dit, attendez ouais, attendez attendez vas-y 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 fini fini après on, on répondra <laughs> ouais donc du coup je disais hello there. ça fait un <laughs> peu bizarre <laughs> ouais alors parce que vas-y vas-y c'est à dire que c'est c'est arrivé j'ai pas vraiment vu venir, mais en même temps, je, je sais pas, c'était pas très naturel la façon dont il était assez Ouais, il a dit le truc, et puis, en... puis après deux secondes, c'est ouais, mais je sais pas. Moi, moi je trouve, trouve même que même... c'est dommage parce qu'il n'y a pas une discussion ou deux trois répliques derrière. Oui, ouais, ouais honnêtement, ouais, ça, ça, je suis plutôt d'accord pour le coup. T'imagines une petite là, conversation contre, qui euh... commence, ce serait alors moi, je suis pas du tout contre le fait que ce soit là. Après, par non, contre, contre il ouais, y, y, y a un truc. mais j'ai compris, j'ai compris. j'étais fait... vraiment contre le fait qu'ils mettent Hello dans la série. Au tout début, a, je sais plus qui, un de mes potes, qui disait, imaginez, il y a Hello J'ai fait, ouais, j'espère pas, parce que ça va sortir forcé. J'étais vraiment, euh, j'étais pas emballé. Je voulais mm. pas qu'il fasse ça en fait. Et la façon dont c'est sorti. Ça va. Je, suis, je suis satisfait. J'ai ri, j'ai ok la façon, la, fa la façon dont il le dit, et puis l'espèce de petit silence, le petit sourire juste avant quand il a enfin le plaisir de parler à Luc. Et puis ensuite, c'est le premier truc qu'il dit dans l'épisode 4 après. Genre, t'as une sorte de, de boucle qui est bouclée. Il me dit, bon, bah en fait, c'est de là, la bonne hein. ça rime n'est-ce pas S'il y avait un endroit où il fallait mettre le Hello c'était là en fait. Du coup, euh, je suis content. Non, non je suis d'accord, mais ça faisait bizarre. Mm. Et je après... pense que c'est peut-être ce que le Tribune euh, vient de dire. Après le problème, c'est que je pense que euh, comment dire. Oui, mais en VF, il dit pas there, il dit. J'en par par <laughs> parle. après. J'en parle après. Mais euh, disons que je trouve que déjà le problème avec cette réplique là, c'est pas la réplique en soi, mais c'est tout le truc autour de la réplique qu'ont fait les gens. Bien sûr. Parce que la, la, la réplique en elle-même a toute sa place pour euh, les vidéos, le côté. Le euh, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais c'est juste que le truc, c'est que si jamais. C'était pas autant un même, il l'aurait pas mis. Moi je pense que si, bien. parce que c'est ouais. possible, mais ouais, parce qu'avant même. même que ça devienne Beaucoup un mème il était la période plique était, était réutilisée oui. avant que ça devienne un même, bien sûr. Donc bon, pourquoi pas, hein genre dans The Clone Wars avec Grievous et l'épisode inachevé que, que j'ai envoyé avec, après avec Grievous, c'est déjà devenu un même, non? Un petit peu, c'était euh, déjà, à déjà à un petit à peu le cas, petit dire peu. en 2008, c'était déjà un même, un petit peu. Ça commençait ah, déjà, pas... Ouais. Ouais, ouais. Pas souvenir. Ok. Parce que, certes, il dit ça au début. Oh, mais euh, pas sûr que. Suite... Enfin, suite -vous, je pense que c'était déjà un même. En tout cas, ça faisait écho. Ouais, oui, mais oui, genre. Euh, oui. Ils sont pas dit, tiens, euh, les gens passe. tripent là-dessus, on va le mettre dans l'épisode animé de The Clone Wars. C'est juste, que, bah. La scène, enfin, la scène de, de, de l'épisode 3 était cool et puis c'était déjà en soi une référence <laughs> à l'épisode 4. Du coup, ça faisait déjà deux fois. Du coup, ils sont dit on va la remettre. Et ça. les sars qui dit moi ça me va. Tant que Luke répond pas, General Kenobi. il <laughs> ah, y a un montage très sympa où il sort quatre bras. Et il, <laughs> euh, il... <laughs> ah ça la trompé Enfin bref. Je crois que c'est sur le Deux dernières critiques. Qui gon? C'est très bien de voir Qui gon? Mais Oula, attention. C'est traité comme si, comme si ça avait aussi peu d'importance. Triggered. Ah bah, en fait, t'as mis du temps. Bah, bah Je pensais que t'étais pas là. Ouais, bah c'est bon, allez, viens, on y va. Enfin, non seulement on n'a au, aucun thème de Quagon. Bon, ça, c'est très dommage, mais ça passe. Mais oui. c'est comme si ça n'avait aucune importance. Ah, je suis pas, euh, pas d'accord. Mais vas-y, vas-y, ah, vas-y. Pas D'accord, vas vas ah, parce que c'est zombie. En... Attends, je, attends, pas, attends. C est c est juste... Non, 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 vas-y, laisse-le penser. Saison 2, on va arrêter tout de suite. On va arrêter. Tout bon, on va en discuter parce que je suis pas d'accord. Bon, on, on laisse non, finir Yohan et on répondra. Il est là, il dit T'es un ami du temps. Et Obi-Wan qui est même pas étonné, dit Ah oh, bah je pensais que vous viendrez jamais. Juste. Fin, comme si c'était normal de qu'il soit là. Et c'est. Euh... Bon, certes, certes d'accord, mais. mais, dans, <laughs> non, mais dans, attends, attends. Dans, dans le contexte des, des personnages peut-être, mais dans le contexte de la série, ça n'allait pas. Dans le contexte de la progression, c'est c'est un événement. C'est pas juste ah c'est normal, il a toujours été là. C'est non, c'est un ça reste un événement malgré tout ça. Et ça n'en est pas un. C'est ton ressenti pour le coup parce que moi c'est l'opposé. Tout ce que je dis depuis le début c'est pas des vérités générales. C'est évidemment oui oui c'est pour ça. Et si vous êtes pas d'accord, je vais pas aller vous harceler et vous tuer. Non parce que c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Exactement. Non, c'est pas bien les enfants. Vous oui, voyez, c'est ça. La -ce pas bien. Après, par contre, pour je, je regarde ceux du fond. Pour euh, pour bon, il n'y en a pas ici. Pour pour te répondre. On se faire. sinon partez. Euh, je trouve que quand même, c'est pas traité comme un non événement non plus. Après, je comprends ton truc du style. C'est peut-être la. Après, je trouve que c'est pas mal avec le, le personnage de Qui Gon le Took you long enough. J'ai pas, bah, oui, oui. pas de problème mais juste Obi-Wan n'a aucune réaction Ah, ah si si quand même Il, a... il, est, il, est, il est surpris quand même bah oui, pas, c est... C est... Enfin, il est surpris Il dit, pas dit rien pas, en pas ce ans, euh, Ça fait une semaine qu'il l'appelle Donc euh, il s'attendait à ce qu'il débarque j'imagine <laughs> Je suis pas d'accord avec Reywan Depuis, t en t en depuis t en t en je ferme mes portes à double tour ah si justement on, on le voit content et tout, ouais, je suis d'accord avec ça pour le non, coup. Ben, euh... Ouais non on, on le voit content d'accord mais c'est pas aussi impactant que ça aurait dû être à mon avis. Bah, c'est le point d'orgue en fait, hein, c'est la conclusion donc mmh. euh, on n'a pas trois heures à passer dessus, je trouve que ça fait un... ça clôt bien le truc, ça ferme vraiment le, le, le perso. J'aime même, même bien en, euh... en termes de musique, en termes de, en termes de dialogue, ah, c'est vraiment de mémorable, ça. Ah si je trouve que c'est quand même une jolie scène mais <laughs> bon... Non non, non, non la, 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 la scène est pas mal mais... C'est un... en fait c'est ça c'est un problème de, de la c'est un problème plus général de la série mm. ensuite dernière critique mais j'ai marre... ma... j'ai mon propre contre argument à cette critique c'est bien t'as déjà tout préparé que... <laughs> non non c'est juste que j'ai réfléchi un peu mais c'est quand même un truc euh, qui est marrant Obi Wan dit oui, c'est bon la seule protection dont tu l as besoin c'est vous et il tire... et ça c'est la conclusion qu'il tire du seul moment où Luke s'est fait attaquer pendant qu'il n'était pas là <rire> <rire> bon le contre-argument c'est que il s'est fait attaquer précisément parce que b était parti et oui. que du coup il était là qu'il était resté à côté donc ça c'est le contre-argument mais c'est quand même marrant de voilà c'est ironique voilà euh... c'était mon avis peu, genre, sur l'épisode ce que dit Alessar euh... euh, euh, comme je disais moi c'est vraiment le seul truc que j'attendais de la série c'était qui en fait et euh, j'avais quand même imaginé qu'il allait avoir un dialogue aussi, que ça allait être lui qui allait, qui allait genre le, 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 enfin, le préparer pour le combat, en fait. C'était un peu ce que j'imaginais, mais je comprends ce qu'ils ont fait, évidemment, c'est logique. Mais ouais. je m'attendais quand même à un peu plus de discussion sur ce qui s'est passé, en fait, tu vois. En fait, on n'a pas, pas de discussion à proprement parler. Quoi. Donc, c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas eu plus. Mais c'est pour ça que, comme je suis, je suis frustré de ne pas avoir eu énormément de Qui-Gon je suis quand même content de ce qu'on a eu. Je suis quand même un peu frustré. Jusqu'à mmh. ce point, j'étais contre a une saison 2. J'étais contre ah, une oui. saison 2, mais vraiment catégoriquement. Mais si la saison 2, c'est les aventures de Qui-Gon et Obi-Wan, ils sont sur Tatooine, ils font des trucs weird avec la force pour devenir un fantôme, parce que c'est ce qui est sous-entendu clairement dans cette scène de fin. Euh, c'est oui pour moi, c'est un grand oui. Alors par que je voulais contre, à la base dans cette série en fait. Franchement. C'est non. Alors bah je suis plutôt avec Yon. Là. Euh, Et pourquoi Dans le sens où euh, je préfère qu'on garde une aura de mystère sur l'entraînement en tant que tel. Tu vois, sur, euh, sur le truc que ferait Obi-Wan avec qui gon Je préfère, tu vois, le, le côté un petit peu symbolique du bah, d'Obi-Wan qui retrouve Qui-Gon et euh, nous on saura pas vraiment ce qu'ils ont échangé, ce qu'ils ont fait, mais on, on a la satisfaction de savoir qu'ils se sont retrouvés, tu vois. Sans banaliser pour... le truc. Même si tu es, même si, même si es avec moi, je suis pas avec toi. Ah bah oh merde alors <laughs> <laughs> C'est-à-dire que je suis pas d'accord, mais pas pour la même raison. C'est-à-dire que moi, ça me dérangerait pas du tout d'apprendre plus précisément ce qu'ils disent, ce dont ils, dis ils discutent. Au contraire, juste pas dans cette série. Et cette série se ce suffit elle-même. Ça raconte l'histoire de Obi-Wan et, et Vader. C'est le concept. J'étais déjà opposé à l'idée qu'Obi-Wan parte faire des, euh, des aventures alors qu'il est censé rester sur Tatooine. Justement, la saison 2, il bon, reste sur Tatooine. Non, d'accord, mais là ça passe. Mais je veux dire, dans ce cas, s'il reste sur Tatooine, qu'est-ce qu'il va faire Rien, eh en fait, un être, prétexte c'est la force. Ça pourrait être, voilà, pour à, les entraînements de la. Ouais, force. mais du coup, ouais, ça sera peut-être un tu, bon tu, prétexte tu pour avoir une des série flashbacks. avec ça. Si, 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 si tu des flashbacks en parallèle euh, d'événements marquants de sa non, vie. Non. Pour, le coup, pour le coup, ça, ça, ça suffit pas du tout à faire une mmh. série, selon moi. C'est pas. Même une mmh. saison. Oui, oui, oui. Ça marche pas du tout, selon moi. Donc, je suis fermement opposé à une saison 2 et ça, depuis le début, j'étais même opposé à une saison 1. T'entends de là, oui. C'est un 2, peu tiré la sur main, la corde. Hein. J'étais vraiment opposé à une, à une ah, saison 2 euh, <laughs> par rapport au fait que j'avais peur qu'il bah, qu ressorte Tatooine et qu'il y ait une autre aventure qui qu le pousse au Tatooine. Ça, pour moi, c'est nope. Genre, ah, il ne faut pas, pas qu'il reparte. Si jamais il y a une pas, suite, il ne faut pas qu'il qu qu quitte aventure, en nouveau. Une autre mmh. Pour moi, quand je disais que j'étais contre saison 2, c'était ça. Genre, je ne voulais pas qu'il y ait une autre aventure comme pour la saison 1. Mais si la saison 2, elle a une échelle du coup plus petite et plus humaine, et on suit euh, Obi-Wan et Rey dans le désert avec qui qui arrive de temps en temps, etc., et qui se bat contre des mercenaires, qui sauve la vie de personnes en, en détresse, sans pour autant se dévoiler un peu comme ce qu'il fait dans les comics, etc., ou dans le roman de John Jackson Miller. Bah oui, enfin je veux dire, euh, si ça reste sa place. Mais après c'est vrai que je comprends ce que tu dis, Tribune, par rapport au, au mystère. Donc euh, on ne pense qu'il n'y a plus, pas, 2, y, pas, y pas, y pas beaucoup de contenu. Ouais baser une série sur peu de contenu, bah, la plupart du temps ça marche pas bien. Donc oui, une suite en roman euh, qui parle de ouais. ça en roman, pourquoi pas, ou en BD, oui, pourquoi pas. Ah bien sûr, ça, 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 je suis à fond pour ça, mais juste en série, non, ça marche pas. En pas fait, c'est le roman Kenobi qu'on avait dans Avengers. Ouais, non, mais dans l'idée, voilà. Ah. Ouais. S'il n'y a pas de, de saison 2 bah je vais pas de soucis hein, genre je serais content. Mais si on a, euh, si on a et c'est ça, moi je suis ouvert à l'idée, voilà. Après, par contre, moi j'ai une euh, théorie. <laughs> sur la suite possible à cette série là euh, inspirée par ce qu'ils ont fait avec Hawkeye pour Marvel Et... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais euh, qu'ils ont annoncé la série Echo qui est dérivée de Hawkeye ah. ça m'étonnerait pas qu'on ah. ait une série centrée sur Reva personnellement euh... j'espère pas même si j'aime bien Reva j'espère non pour le coup ça m'intéresserait mais pas en série non plus BD roman Des... voilà exactement Ouais, non ça, mais linge. moi c'est le seul moyen mais que je vois de pas faire une suite directe mais en même temps relié au truc. Enfin c'est le seul projet qui me semblerait logique on va dire vu ce qu'ils ont fait par le passé. En, non, plus. en fait c'est un... Euh... un peu comme parce que là ils ont annoncé une série euh... je sais pas si vous avez vu pour Game of Thrones. Euh... Oui sur. Euh... Ouais, sur ouais. John oui. Ouais. Ouais, non mais ça c'est ouais. un peu la même chose c'est une série sur une série. ça c'est Dragon ça va parce que c'est enfin c'est un préquel tout ça mais là. John... Enfin, c'est bon quoi. Heroes of the Dragon, c'est quand même basé sur du lore euh, qui existe. Mais non, mais est, ça avait déjà été. Il y avait quand même pas mal de trucs dessus. Hein. La danse des dragons, c'est un, un élément vachement important de, bien, de sûr. bien sûr. Bien sûr, mais là. Euh... En fait, c'est même un. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je m'en fous. Bah, dans les romans, en fait, c'est même un événement qui est beaucoup plus important que les événements de Game of Thrones. Enfin, beaucoup bah, plus Bien sûr. Bien. Je, je, je connais Game un peu le. en Donc. Alors que -ce oui, sur qu il est déjà le personnage principal. Est-ce qu'on a, pas de est -ce ça qu a parlé de... du fait qu'il l'appelle Darth Eh hey, oh. chute Oh Chut ah, euh, voilà, Attends pas Merde pas possible, Mais là, on, faut... on parlait des euh, <laughs> des, des... Qui... des répliques qui prenaient leur sens tout à l'heure. oui, oui. Dans oui les... alors ça, on est oui. tout à la question. Ça fait suite à notre discussion. Mais non, je suis d'accord. Oui, non, c'est tout à fait vrai. <laughs> Et c'est un truc qui me dé... Enfin, je... Pour le coup, genre, avant que la série commence, je me disais Tiens, j'espère qu'on a une, une petite explication sur pourquoi est-ce qu'il l'appelle Darth Donc évidemment, à l'époque de l'épisode 4, c'était genre son prénom Ah oui, <laughs> bah oui C'était pas, euh... pas encore décidé que c'était un titre, quoi Oui. Mais du coup, je me disais, ce serait cool qu'il qu se se ait ça quoi. Et j'y ai plus du tout repensé au cours de la série à cette idée-là Et puis là, ils l'ont fait, et du coup, j'ai fait Oh en français, Oh yes <laughs> Bah oui, en français, il l'appelle pas Darth dans l'épisode 4 Il l'appelle Vador Ouais, mais la VF ne compte pas, n'oubliez pas. Bien sûr. Donc. <laughs> là, là, il l'appelle Vador aussi. En... J'ai regardé un peu la VF. Eh parce non, que ça bien sûr, toi. bien sûr, bien sûr. Mais oui, on Je en reparlera. la version japonaise oh, est parce que, aurant, que est pour bien. le kiff. C'est bien. bien. Oui, j'ai regardé la version japonaise des épisodes de Kenobi pour le kiff. Oui, vraiment... <laughs> pourquoi pas hein. ils, ils, ils ont repris le doubleur de Nakin de la prélogie C'est merveilleux. Ah, tiens, d'ailleurs, ah, attends. Et les sœurs... Ceux qui ont vu l'attaque des titans, c'est celui qui fait Flock. Ah, c'est Flock, d'accord. Qui dit ah oui, les changements. Et vous vous en souvenez je, je sais pas si vous aviez consulté ou peut-être vu après avoir ah, vu le Dieu, dernier épisode. Avait... Les leaks. Oh de quoi tellement... Ça m'a saoulé cette rumeur. J'ai cru que, enfin, j'ai cru en fait à ce truc. -là. Dit, attends, attends, quoi capable... De quoi les, les, les changements. Ah oui. De, les changements de fin. Mais j'ai cru comprendre que le leak avait raison sur pas mal de trucs sauf sur Reva. J'ai cru comprendre. Enfin, je sais pas, je ah, ouais. suis pas allé ah voir le leak donc. Moi non plus hein. Donc, oui, euh... j'ai vu, vu passer un message comme ça. Ouais. Donc je ne sais pas, mais euh, en tout cas... Euh... Bah non, on, peut, on peut parler de, de Reva qui ne meurt pas, ce qui est surprenant, ça change un peu. Oui. Bah, ça fait pas une à 2, quoi. C'est une, une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais, sais. mais, 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 cependant... <laughs> avec la caméra qui tremble, à Déborah, ciao. Cependant... Il <laughs> euh, bah, y a un truc qui me dérange, globalement, avec tout ce qui se passe avec Reva dans cet épisode, c'est... Elle sait, du coup, que Luke, c'est le fils d'Anakin Alors, non, 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 je crois pas, en fait. Ah, je mais, suis désolé, mais si c'est que... ça, je vais je prendre l'avion, je, je vais à Toronto et je vais la secouer, des Boral. J'ai fait cette erreur-là dans la review, et on a fait tous les deux cette erreur-là dans la review, mais il n'y a rien qui dit qu'elle est au courant. Euh... Mais dans ce cas, elle pourquoi se Luc, hein bah, france... elle se vengeait de Elle dit quand même à Owen, « You love him like he's your own. <laughs> » Oh, je sais plus oh. En fait, tu vois, ça aussi, ça aurait Donc, mérité merde. plus claire explication. C'est Ça, euh, le fait qu'en en fait, si elle avait rien dit, si elle avait pas dit tu l'aimes comme si c'était le tien, euh, bah ça va. Mais comme, quand elle a dit ça, suis en mode, mais attends, mais c'est quoi le sous-entendu de cette phrase là Ça veut dire qu'elle sait très bien qui c'est en fait. Et il n'y a aucun moyen qu'elle le sache, le message de Bale ne pas dévoilé cette info, il en a dit énormément, mais il n'a pas dit ça. C'est donc... ça, et puis à aucun moment tu vois Anakin Skywalker, tu te dis ouais ce mec est un daron. Et heureusement qu'il ne l'ait pas dit quoi. Parce que... Après, tu <laughs> es que il faut que, que j'aille sur Tatooine pour secourir les enfants d'Anakin, parce que Anakin euh, Skywalker hein. est un Jedi, et que maintenant c'est Dark Vador, donc c'est très important que <laughs> Thomas, il soit sauvé. Tu peux tu peux te dire qu'elle a compris que il euh, y avait un enfant qui était important pour, euh, pour Obi Wan pour, hein. euh, pour Obi Wan euh, et puis qu'elle sait qu'elle voulait euh, donc je sais non, pas même si pour Vader d'ailleurs mmh. ouais Parce donc. la limite tu peut comprendre que c'est qu'il est important pour Vader en fait elle a comprendre que c'est ouais. ses enfants ouais c'est ça mais c est, c est, moi, je, ce que je me dis pour me rassurer c'est que c'est ça qu'elle a qu'elle a compris et puis euh, même peut-être en affrontant Owen elle a peut-être lu dans son esprit tu vois un peu comme comme Vador le fait à Luke. Enfin ouais, là c'est émotions... du peut-être. Ouais, ouais, ouais mais ouais mais euh, Reva est beaucoup moins puissante et euh, elle, elle quand elle le fait faut vraiment qu'elle ait la main tendue et tout qu'est-ce que qu 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 Mais je me dis peut-être qu'elle qu a la, la tête bah, dans les dans les émotions de Owen aussi mais bon ça c'est. Ouais mais euh... non non ça, ça c est, c est... non ça marche pas ça. Et là tu que sais Vader en fait. Vader le fait à peu près. <laughs> Vader le fait à peu près mais Reva est déjà beaucoup moins puissante que Vader mais aussi beaucoup moins puissante que tout le reste des Inquisiteurs aussi donc. T'imagines quand ça marche absolument pas. Imagine, genre, Owen dans sa tête qui fait Putain, faut pas que je pense à Anakin, faut pas que je pense à Anakin. Hum, mmh, Anakin <laughs> <laughs> Tu <'est>, vois, <c> <laughs> Ne pensez Holy pas God. à ça. Ah merde. <laughs> La conclusion qu'on doit tirer, c'est qu'elle a compris que c'était important pour Obi-Wan et euh, pour. Euh, oui, au minimum, elle a compris pour, ça. Pour, euh, pour, euh, pour Vador. Au et, pire, elle a compris que c'est son fils. Voilà. Elle a compris qu'il y avait quelque chose pour qu moi fallait... Pour moi, tout ce qui se passe avec Reva dans cet épisode. C'est presque juste histoire d'avoir un truc pour couper le, le duel en morceaux. Enfin, pour pas que ça soit que bah, que, du du que du duel et qu'on puisse faire couper pour changer d'environnement, puis changer de plan, puis avoir des transitions, tout ça. Mmh. Ouais, c est, c est, En fait, c'est juste des plans de coupe. Euh, en fait, c'est limite coup. des plans de coupe à la con. Ouais, mais bon, si tu fais une autre scène, faut s'assurer qu'elle soit, qu'elle, qu'elle pose pas de problème niveau scénario, quoi. Mais Donc, surtout quand même qu'elle soit intéressantes, parce que personnellement, je suis encore regardé, j'en euh, avais ouais. rien à foutre. Bah, surtout qu'en plus, ça aide pas le fait que. C'est ce que je disais quand on regardait ça avec Max bon, Rebo parce On sait très bien que Owen tu sais... et, ouais, voilà, et Luc vont survivre. Tout le monde survivra à et cette scène sauf Reva. Donc tu dis, bon, bah, de toute façon, euh, si en a ça, un qui meurt, c'est elle. Donc, donc... Si Owen et Bérou vont recevoir 2 trois coups, euh, et puis voilà. <laughs> et Luc, ouais. euh, il va rien lui arriver, et puis tout le monde le sait. Donc il y avait pas vraiment de tension. Par contre, la tension que je ressentais, c'était. Ah oui, pour le coup, ce qui est qu les sardis, c'est vraiment bon, pas con, mais ça, on aurait dû le voir. Je me oui. demandais quel, quel allait être le, le, le destin de Reva, du coup, qu'est-ce qu'elle est qu lui arriver à Pour elle. J'étais arrivé à cette conclusion, mais j'ai oublié. Mais ça, c'est un truc qu'on aurait dû voir, je pense. J'y ai pensé, mais genre, comment, comment est-ce qu'elle aurait pu connaître le nom Genre, il n'est pas. Euh... Bah, en fait, bah, si, elle, elle va nous demander Ouais, tu connais un gars qui s'appelle Owen Ah, ouais, euh, ouais, ouais, et il a genre, des enfants liés à Owen, ah, si, <laughs> il a son neveu, Luke Skywalker, euh, machin. Est-ce que le nom de famille Skywalker est vraiment. Euh... Genre, connu par tout le monde, est-ce que Owen et Beru dé dévoileraient que leur fils bah, n'est pas euh, le leur et que c'est un... Bah il, bizarre, mais sait, non mais, tout, mais, tout, mais ils appellent les Owen et les tantes Bérou. Enfin, c'est son oncle et sa tante, tout le monde le sait que c'est son oncle et sa tante. Et Lux Skywalker il se présente en tant que tel tout le temps, donc il n'y a pas de raison que... Ouais mais, mais est-ce que c'est est genre common, common knowledge ce que je veux dire, genre ce que tout le monde sait ça tu Bah vois, euh, ceux qui sont en ville, tout le temps et qui vont le voir dès que quelqu'un le cherche, ouais... Oui, pour, bon, pourquoi pas s'il y avait une scène là-dessus? Euh, Après oui, une famille ouais, de pecto, tout le monde sait. C'est ça, c'est pas comme si Luke allait jamais en ville. On le voit littéralement aller en ville là tout de suite. Ah oui, LSR, merci. Bah, du coup, c'est clair. Si tout le monde le sait. Euh, ouais. Bien sûr, le, tout le monde que, le sait. Que le clair. vendeur dit ton oncle. <laughs> c clair. Et en plus, comme dit LSR, on sait pourquoi Owen boite maintenant. Puisqu'il ah bon. a une démarche un peu, tu sais, genre, euh, hasardeuse dans l'épisode 4. Maintenant, il s'est fait malmener je par crois, Reva il y a 9 ans, ans donc. Euh... Je sais <laughs> pas, je pensais qu'il était juste vieux et qu'il marchait sur du sable. Hein. Ah non, non, c'est Réva. Ouais. <laughs> pour moi, il battait abîme le même. C'est ça. ça. Je pense que Luc, je ça, suis vieux ça, <laughs> un peu ça. Bah, vu leur gueule, ça, abî... ça abîme pas que le corps, hein. mais bon. Euh... Bah, bah, vu comment ils ont pas fini. Pas bon pour la peau. Non. Le soleil ardent de Tatooine. Ça, fait... vais... ça fait pas bien. Est-ce que t'avais d'autres trucs à rajouter, Johan, avant euh, non, j'imagine qu'on va faire un bilan de la série après euh, individuellement. Oh bah, de toute façon, on avait déjà un petit peu commencé en soi. Ouais, mais... ouais, ouais je pense qu on avait tous, euh... Parce que voilà. bah, dans ce cas, je vais faire mon bilan de la série. Vas-y, vas-y, ouais. Euh, la série a des éléments qui sont super cool. Le duel avec Vader, l'apparition de Qui-Gon, tout ça. Mais c'est. C'est exactement ce qu'elle nous promettait en fait. C'était le concept du truc. Donc le fait se dire, c'est là, c'est trop bien. Non, c'était le concept. On est là littéralement pour ça. Se dire, c'est là. On ne devrait pas être content que ce soit là. Ça devrait être. Bah oui, évidemment que c'est là. C'était la prémisse du truc. Et encore, c'est moins bon que la prémisse du truc dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes de réalisation, il y a plein de problèmes de scénario, il y a plein de problèmes à peu près de tous les niveaux. Euh, en fait, la, la série elle remplit à peine le contrat. En fait. C'est-à-dire que c'est une série, ouais, euh, c'est sur Obi-Wan, on va voir ce qu'il fait et tout, ouais, d'accord, mais ça remplit pas vraiment le contrat. Le contrat, contrat d'apporter des... de, de, de la compréhension par rapport à, à la trilogie originale et la, la profondeur à certaines répliques, je trouve qu'elle est plutôt bien remplie. Pour oui, en fait. ouais, mais c ça ne le, 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 le fait pas super bien en fait. Tout, tout ce que la série fait, elle le fait à, à peine correctement et encore. Donc, ouais, c'est très tout, décevant. En fait. c est, c est, cette série est extrêmement décevante. J'en attendais rien parce que je, je m'attendais à un truc comme ça, justement. Et je vais pas dire que je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu parce que c'est pas le cas. C'est juste je m'attendais à être déçu et je suis déçu. Donc, euh, tout va bien. Enfin, non, tout vois va pas bien parce que ça mmh. devrait pas être décevant. Euh, mmh. C'est ça, en fait. Il dit ça, ouais, c'est le rematch of the century. Est-ce que c'est vraiment l'impression que vous en tirez de cette oui. série cette série, euh, bah, si tu retiens que le combat final, moi, il m'a beaucoup plu. Je non, mais de la, la série en général, parce que, 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 que c'était un peu ça aussi, le, la promesse de la série, en fait. Bah, globalement, dans l'ensemble, plutôt. Après, oui, oui. pas à 100% moi, je, non je, je plus, je, je, pas fond à fond. Ça, mais personnellement, euh... personnellement, pas du tout. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, voilà. Quand tu disais rematch, c'est vraiment pour le duel final. Et ce duel final. Ouais, d'accord, mais c'est juste. Enfin, je m'attendais juste à ce que tout soit bien, à voilà, limite correcte et c'était pas du tout le cas. Je donc... m'attendais à ce que ce soit catastrophique niveau cohérence, j'étais vraiment très pessimiste et du coup, bah je m'attendais à ce que ce soit catastrophique aussi et finalement c'était juste pas bien. Oh quand même. Mais mais c'est ce, pas parce que c'était pas catastrophique et que c'était juste pas bien que c'est bien. Mm. <laughs> Après de toute façon on Logique. a le droit de on a le droit de penser ce qu'on veut évidemment donc. Bien sûr on a le droit de penser ce qu'on veut. J'ai fait un petit classement des épisodes de la série du meilleur au moins bien, selon moi. Mmh. Le premier, puis le deuxième, donc les deux premiers, hein, qui sont selon moi les, les meilleurs. Ensuite, euh, le cinquième, donc l'avant-dernier, en raison du, du duel avec, euh, avec Vader, qui est tout simplement fantastique. Ah, c'est vrai que c'est un des gros Ensuite, points forts du 5. Ouais. Est ouais. le, il est juste parfait, ce truc. Ensuite, cet épisode en antépénultième dans mon classement. Ok. Et ensuite, et ensuite euh, le 3 et en dernier le 4 parce que... Bon, le, 4, le 4 c'est le plus faible. <laughs> ouais non non le 4 c'est clairement le plus faible. <laughs> ouais. Voilà donc 1 2 5 6 3 4. Hmm. Bah, J'ai pas fait de classement pour le coup. Hein. Bah si jamais euh, sur, sur, euh, sur la série globalement euh, qu'est-ce que t'as à dire étoile par exemple dans, dans la globalité pas juste la partie 6 du coup mais... Euh... Ouais, mais euh... Dirais que j'aurais un avis proche de celui Y, peut-être un peu moins sévère. Ouais. Je m'attendais à pas grand chose. J'ai ouais, pas été pas. Euh, surpris plus que ça. J'ai trouvé ça moyen, moyen, moyen plus à certains moments, moyen pas, voire enfin, vraiment pas fou à, à d'autres moments. Donc ce serait, ce serait indifférent, encore une fois. J'ai pas, pas été transcendé, j'ai ai aimé certains, certaines choses, mais euh, ouais, c'est. Mmh. Ouais. Voilà. Il va falloir revoir la série euh, d'un coup maintenant. Ouais, ça traite. Faudra, faudra, bah, faudra, ouais. reparlerai juste après. Corsoff, uh, qu'est-ce que tu diras uh, Qu'est-ce que tu dirais globalement sur uh, sur tout ça que j'ai dit uh, il y a quelques minutes uh, quand vas y, -y, uh, -y. J'ai dit que bah en fait moi j'étais uh, au tout début, j'étais vraiment contre cette série euh, et contre les potentielles incohérences dont, que j'étais absolument certain qu'elle apporterait avec l'épisode 4. J'étais extrêmement euh, pessimiste. Quoi. Mais pessimiste euh, violent, quoi. <laughs> non, bon, on s'en rappelle, euh, ouais. Et euh, du coup, en fait, euh, bah, comme je m'attendais à, à que ce soit vraiment pas bon, et ben, finalement, ce qu'on a là, avec un peu de gymnastique mentale, mais pas trop non plus, bah, ça marche. donc euh, moi, moi, Pour moi, le canon euh, et l'univers, la, la cohérence de l'univers Star Wars, c'est ce qui prime avant tout le reste. Vraiment, mmh. c'est la loi suprême. Et, euh... et puis, euh, bah, voilà je ne me plains pas de... de. À part évidemment des facilités scénaristiques comme la téléportation, etc., il n'y a pas d'incohérence notable avec euh, l'univers préexistant. Donc, moi, c'était ma crainte principale. Et du coup, euh, voilà, quoi, finalement, ça s'est bien passé. Donc, euh, c'était très positif pour moi parce que j'y croyais pas du tout. Donc, mmh. j'avais vraiment mis la barre très bas sur le cran numéro 1 euh, sur, euh, sur 20 crans. J'étais vraiment euh, <laughs> en mode ça va être catastrophique, ils vont tout niquer. Et, Et du ben coup, non, non, ça va. <laughs> Donc, quand tu as une barre comme ça d'attente, euh, bah, le résultat, c'est bah, quand même satisfait. Quoi. Donc, oui, euh, évidemment qu'il y a des problèmes et je me dis putain ça aurait fait tellement pire genre on a comme OSS 117 dans le 2, putain, on a frôlé la catastrophe hein <rire> <rire> vraiment hein sur sur Statt avec euh, quand il est entouré de cadavres et on a, a frôlé la catastrophe des... c'est peut-être pas aussi <laughs> drastique que ça là mais ouais <laughs> là c'est plus positif que ah, être entouré scène, de cadavres <laughs> mais euh, genre c'est un peu ma philosophie c'est ça c'est J'accueille cette œuvre au sein de l'univers Star Wars et du canon Star Wars sans aucun problème parce que maintenant, quand je revois la trilogie originale, il y a pas mal de moments où je vais repenser ah bah à oui. ce que cette série a apporté et au sens que ça a apporté alors que je pensais que ça allait détruire le sens de certaines répliques de la trilogie originale. Alors qu'en fait, ça enrichit de... sous certains aspects. Soit ça change rien, soit ça change rien. C'est déjà bien que ça change rien, putain, ça aurait pu détruire. Soit ça change rien, soit ça enrichit. Du coup, euh, c'est bon en fait pour moi. Donc euh, il y a, des, hmm. y a des problèmes, certes, mais globalement. Euh... Je suis quand même assez, euh, assez satisfait de ce qui s'est passé parce que j'avais très très peur. Ok. Et euh, j'ai hâte de voir la suite des de, 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 de séries, de séries live sur Disney. Euh, je vais peut-être s'en profiter pour juste checker euh, les points de ma checklist que je suis parvenu dessus. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Point numéro 1, explication pour les flammes. Eh Ensuite, non, point ça, numéro 2. <laughs> Kenobi essaye de ramener Vador. Bon, à moitié. Donc, on va dire 0.5. Il y a plus un rappel à l'identité d'Anakin qu'un ouais, retour. Ça, mais mais ça, ça passe. Ça, ça marche. Qui parle au Obi Wan, voix euh, yes. wow, ou apparition physique, mais apparition physique plus plus plus, donc euh, voilà, ça c'est bon. T'as eu ton plus plus plus, c'est bon. Vador ne va pas sur Tatooine, merci bordel. Euh, oui, ouais, euh, mais Kenobi ça, arrive euh... à vaincre. Kenobi arrive à vaincre ou prendre le dessus sur Vador d'une façon ou d'une autre. Check. <laughs> euh, Kenobi fait en... Ah, ouais, bon ça c'est la partie un peu tricky. Kenobi fait en sorte de mettre en scène sa disparition de façon à ce que plus personne de l'Empire ne se mette à sa recherche et que tout le monde, sauf Vador, finisse par l'oublier bah alors il y a quand même cette scène avec Palpatine dont on n'a pas encore parlé qui aborde ce sujet. Genre Vador, il est encore il sait qu'il a survécu, Palpatine, il se lair de sans battre les reins et c'est peut-être pour ça qu'en fait plus personne ne le cherche parce que Palpatine lui-même dit bah il y a plus important que lui en fait. Donc tes sentiments je te remplace par Silo là, je sais comment il s'appelle l'autre dedans. la comique c'est plus tard, tard, mais, mais oui. le Oui, je sais, je sais, mais genre, mais... j'ai pensé un peu à ce moment-là. Genre, tu vas, tu vas être remplacé par mon calamari avec le corps de Grievous Avec Carmine, ouais. Enfin, bon, bref, non, mais voilà, genre, <laughs> je te remplace. Si t'arrêtes pas de, de t'attacher au passé d'Anakin, parce que là, c'est clairement Anakin qui, qui pense, c'est pas Vador. Et je, tu t'as ouais. te traîne vers le bas. Tout à fait. Cette discussion avec Palpatine est tout à fait logique. C'est mm. normal qu'ils disent ça, en fait. Euh, donc, ça explique un peu ça aussi donc c'est cool mais j'ai quand même un petit, euh, un petit point euh, euh, un petit truc à redire c'est par rapport à une réplique de, de Rebels dans l'épisode euh, bah, Siege of Lothal donc le, le premier épisode le premier double épisode de la saison 2 de Rebels où il y a Ahsoka qui sent euh, Vador et vice versa oui. ensuite Vador va discuter avec, euh, avec Sidious et Vador dit euh, en gros euh, bah il y a des retours, machin, elle est encore en vie. Et euh, Valpatine lui dit, mais c'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Euh, sa survie, pourrait, elle pourrait nous indiquer la, la, la position d'autres Jedi qui, auront, qui auraient survécu. Et Vador dit, euh, comme Kenobi. Et euh, là, Sidious dit, euh, ouais, peut-être s'il est encore en vie. Genre, euh, par, du coup, il est OK avec l'idée de pourchasser Kenobi maintenant. <laughs> wow, après, c'est bien longtemps. Après. Donc, c'est longtemps après, donc je, je, je vais pas commencer à, à. Je vais pas faire ma fixette là-dessus. Mais du coup, euh, voilà, par rapport au Palpatine qu'on a à la fin de cet épisode, vraiment, quand j'ai vu l'épisode la première fois, j'ai fait. Ouais Ok. Bah, Pourtant, dans 5 dans ans, tu vas être ok avec ça, ou je sais pas dans combien d'années. À la limite, ce donc, que je peux euh, t'apporter bon. comme euh, comme justification un petit peu aux euh, beautés, là, comme ça. À la limite, là, c'est juste que. Bon, Vador, t'as fait de la merde, calme-toi. Ah ouais. Vraiment, simplement quoi. Après, palpatine. Je pense qu'il dit ce qu'il veut. Euh, tu vois, il dit. Il dit ce qu'il a besoin de dire pour que. Euh, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Dans le sens euh... où là, t'as fait de la merde, t'es en train de te oui, faire. Oui. Euh, voilà, euh, arrête avec et tes conneries. Et... Puis maintenant, c'est plus le learner, c'est le master. Du coup, s'il si revoit Obi-Wan, il se dit euh, voilà. peut-être que là, il a compris la leçon et qu'il sera plus à même de. de... Surtout qu'en plus, oui. dans, dans Rebelle, c'est vraiment le vador plus froid qu'on a dans la trilogie originale. Oui, C'est ça. Du coup, peut-être que là, Palpatine se dit, bon, là, il est, il est, il est, il est peut-être prêt cette fois-ci, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, il a it il l'air que, que Vador se remette éventuellement à, à penser à, à Obi-Wan. Donc oui, tu peux le tourner de façon d'une autre. Quoi. Mais bon, voilà, c est, c est, il ne met pas en scène sa mort ou quoi que ce soit, mais il arrive à vaincre, comme je disais, cette chèque, il arrive à prendre le dessus sur Vador, évidemment. Ouais. Et euh, ce qu'il fallait, qu fallait absolument que ça se produise. J'ai vu pas mal de gens se plaindre que euh, Obi-Wan ait vaincu Vador, genre, mais arrêtez <laughs> Non, justement, il si fallait que ça arrive. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été problématique, en fait. De toute façon, c'était sûr que ça allait pas se produire. Le, le but de la série, c'est de, de montrer que Obi-Wan, qui reprend confiance en lui, en ses capacités, et qui arrive à prendre le dessus sur Vador, c'était tout à fait logique de la progression du personnage. Mais genre là, par rapport à leur confrontation dans l'épisode 4, le fait qu'il soit si distant, qu'il l'appelle Darth, qu'il sache qu'il n'y a absolument aucune façon de le ramener, et que Vador y ait cette... Cette, cette, cette réplique, genre j'étais l'apprenti, maintenant j'étais le, 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 oui l'apprenti, je suis le maître. Was the learner. Alors, tu comprends que avant il n'était pas prêt, et maintenant il est prêt c'est le sous-entendu, quoi. Donc euh, c'est tout à fait normal qu'il soit quitté sur une victoire de, de, de Kenobi. C'est heureusement en fait. Donc euh, je suis, euh, je suis vraiment très, très satisfait de ça. Et du coup il a quand même, euh, enfin, il a, il a abandonné, il était blessé grièvement à Vador donc sur, sur la planète, et il est parti et euh, bah, il est parti euh, de façon du coup à ce que v Vador ne le, ne le suive pas. Du coup il a pu retourner sur Tatooine et Vador continue d'ignorer où se trouve euh, Obi-Wan. Donc niveau continuité, ça marche. Genre euh, il arrive à se barrer tranquillement et à continuer à, à cacher ses, son, son lieu de... Son, le lieu où il, où il se cache. Quoi. Euh, Donc, sur, euh, surtout qu'en plus. plus, un autre truc dans l'épisode 4, t'as pas l'impression que Vador soit si surpris que ça que Obi-Wan soit vivant ça, c'est ah, Tarkin ça. à la limite, quoi. Il est pas mort, ce vieux con. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi là, au début, dans cet épisode, là, justement au début de la, de la confrontation, il dit Have you come to destroy me Et ensuite, il lui dit dans l'épisode 4, You should not have come back. Genre, euh, t'es revenu pour essayer de refaire la même chose, c'est ça Sauf que là, non. Il est pas venu Sauf pour l'affronter. Oui, c'est ça. Il est venu pour se suicider. I came on this island to die. Ah, c'est -ce autre pour, chose. Euh... <laughs> Je suis venu pour vrai. niquer ma propre mère cette fois-ci. Ah non, non. <laughs> Je veux que tu me tues. <laughs> ouais. Après, ouais, euh, euh, voilà. d'où l'absence de duel à 100% aussi dans, dans l'épisode 4. Hein. C'est plus euh, ah oui, ça. une discussion. Euh... Puis, ouais, voilà, il y a pas ça. peur, il, il était prêt, il s'est préparé avec Wagon pendant toutes ces années. C'est plus du tout la même personne. Quoi. Mmh. Donc, non, euh, ça marche bien. Qu'est-ce que j'ai comme autre point Une euh, meilleure réalisation oh, Bon, ben bah euh, bah, pareil en fait <laughs> il y a ça... mais il y a certains plans marquants en fait non genre il y a vraiment un, un plan comme je disais qui est c'est mon fond d'écran en fait euh, maintenant donc euh, voilà il y a un euh, soin bien, il... sur la composition de certains plans quand même oui j'ai bien aimé le, le, le décor dans lequel il se battait beaucoup mieux que ma Puso, quand même oui non mais <laughs> le décor là dessus hein. donc euh... c'est compliqué je ne pense pas <laughs> oui mais j'avais quand même peur oui, que ce soit un décor euh, à base de montagne et de plaine et de sable quoi tu vois donc euh... et là ouais, non à base donc, de euh... cailloux voilà, non mais là c'était quand même, ça m'a fait penser un peu à Idou dans Rogue One j'aime bien ah, ouais, ça. Ouais. Sans la pluie. C'est euh, ça, donc ça m'a... Non j'ai bien J'ai bien kiffé le lieu du combat. Un combat comme ça c'est si important a besoin d'avoir 1 des enjeux émotionnels, 2 une bonne musique, 3 un endroit sympa. Les meilleurs combats au sabre ont ces conditions réunies. Et euh, moi honnêtement je sais que c'est pas le cas tout le monde ici mais la musique m'a marqué. D'ailleurs c'est le point suivant, musique mieux, plus présente que pour les autres épisodes j'avais écrit. Je pense que l'expérience ouais. cinéma a joué d'ailleurs Ah ouais ouais ouais, c'était ouais c'était euh, ouais, mmh. assez assez euh, le volume était assez euh, assez élevé on va dire donc euh, donc oui la musique et le dernier j'ai mis bonus info sur la survie du grand inquisiteur. <laughs> non non. You thought. Non il, f il fait je... juste la gueule. <laughs> J'avais mis, aussi, j j et non, mis la pardon, je l'avais je la seule explication qu'on aura c'est. Hello. <laughs> À près, does from... <laughs> non, bon. Je suis peu près à peu près certain d'avoir rajouté un point sur Reva, Reva j'avais je ne sais pas où il est passé j'ai dû le supprimer sans faire exprès mais je me souviens avoir écrit Reva ne se téléporte pas et on la voit on sait comment est-ce qu'elle s'est rendue sur Tatooine donc là ce <laughs> c'était pas dans les bonus hein, c'était c'était un point il fallait valider quoi donc <laughs> enfin, bon, bref du coup plutôt plutôt positif quand même cette cette checklist à part les flammes bordel <laughs> mm. mais bon comme on l'a dit tout à l'heure il y a peut-être une, une faiblesse de Vador à la part de ce moment de la part de Vador à ce moment là où il se dit bon avec Obi-Wan il, il agit pas rationnellement c'est sa kryptonite en fait et puis il, est, il devient débile puis voilà quoi ah, sans aller jusqu'à débile mais en effet ça le perturbe oui. quoi donc euh, il fonctionne plus quoi surtout qu'en plus il, il fait une ouais. faute qu'il reproche, qu reproche pardon plus tard à Reva. donc euh, il sait que c'est une faute tu vois Areva, tu parles de l'entreprise Ouais, bien sûr. <rire> <rire> Putain. Non mais pour le coup, je te rejoins pas mal parce que par le biais des reviews qu'on a fait, etc. Bon, il y a deux trois trucs que j'ai un peu moyennement apprécié sur certains trucs, mais je trouve qu'en fait, quand tu prends la globalité du truc, c'est que ouais. j'en tire quand même un truc globalement positif et je m'attendais ouais. pas forcément ouais. à ça. Et euh, comment dire, je te, re, je te rejoins parfaitement sur le coup du. Euh, bah, maintenant, tu vois, en regardant les 4, 5, 6, il va y avoir. Euh, et je trouve ouais, que c'est bien dans un sens parce que je, ça s'intègre pas si mal avec, euh, avec tout ça. Donc euh, je trouve que c'est assez positif là-dessus. Euh, ouais. Tu vois, les, les, petites, les petites erreurs, les petites conneries de scénario, les machins, je trouve que c'est un peu dommage pour certains aspects. Mais le cœur de la série, c'est vraiment l'émotion, les personnages. Ça. Et ça, c'est pas moi, raté euh... du tout. Donc, Dans euh... 5 ans, euh, je suis encore en vie, <laughs> what the fuck Quoi J'imagine euh, <laughs> n'importe quoi. <laughs> Dans 5 ans, <laughs> si, quand je repenserai à, à, à la série, en fait, euh, bah, ce, qui, ce qui sera au fond de moi, ce sera quand même. Bah, J'y repenserai avec un, un petit sourire quand même, parce que genre je repenserai à, à Reva contre Vador à, à Vador qui fait Star Killer au combat final tu vois je, je penserais à ces, ces moments marquants les moments les plus importants finalement c'est cela là hein donc euh, et mmh. je les trouve plutôt réussis globalement j'ai eu mes frissons euh, j'ai versé ma petite larme quand euh, Ewan se met à pleurer quand il s'excuse quand Aquagon qui revient genre franchement ces moments-là je vis en tant que fan de Star Wars, je vis pour ça en fait ouais, <laughs> donc euh, ouais, ouais. je les ai eus j'aurais aimé peut-être en avoir un peu plus mais comme je les ai eus bah voilà, dans quelques années quand je penserai à la série, je penserai d'abord à ça, puis ensuite les flammes peut-être me reviendront en tête, mais euh, je penserai... Mais principalement ce sera en rigolant. Bon. Ce sera en rigolant, <laughs> ce, sera, ce sera plus une blague, quoi. Bah tu mais, sais, euh, après... Genre, sera plus positif qu'autre chose. On peut remarquer ces défauts-là sur la série, mais on peut remarquer le même genre de défaut d'écriture un peu facile et de détails à la con euh, sur tous les films Star Wars, donc, et on un les aime quand même. Star Wars, il y a des problèmes, mais bon... Mais on, on aime quand même ces films-là, on aime euh, cet univers-là, donc ouais. euh, j'en retiens en tout cas. Ce que, ce que je retiens aussi, et je te rejoins là-dessus, parce que j'ai un peu cette approche-là. C'est très important, par exemple, tu vois, la réalisation, le, le tout, voilà, tout, 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 tout ça, c'est ultra important, bien évidemment. Mais le... c'est vrai que le, la majorité des trucs que je retiens, c'est au niveau de, de l'univers, de la cohérence, de ce qui se passe. Euh, ouais. En termes de, de canonicité, de, fin, voilà, de, de, de cohérence d'univers. Ouais, Et ouais, ça. ce qui se passe dans la série, il y a 2-3 trucs un peu fastoche, mais ça passe... Oui. Je suis même dans les films des trucs fastoche. Bien sûr. Comme tu disais, il y a des trucs qu'on aime, mais on sait très bien que c'est pas... Euh, voilà, objectivement, c'est qu'il y a des défauts. Ça, mais, il faut euh, dire, c'est complètement même. pété, par exemple. Ouais, mais bon, vous <laughs> allez, vous allez, vous allez, <laughs> allez euh, peut-être euh, pas d être d'accord avec moi, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais moi, je trouve vraiment que... Euh, L'attaque des clones, c'est pas un bon film. Genre, vraiment, il y a plein de défauts. Quand je pense à ce film, en tant je trouve ce film raté. Mais je l'aime bien. Mais quand je repense à l'attaque des clones, je pense pas aux défauts. Je pense à l'émotion que j'avais quand j'étais gamin. Je pense à la bataille des gens. du contexte, mais oui. Du coup, je souris. Ça me fait le cas avec toute la prélogie pour le coup. ça. Enfin, je sais très et bien. Même que... avec l'épisode 9 et l'épisode 7, en fait, avec tous les films, quoi, finalement. Oui. Tu sais qu'il y, qu y, qu y a des problèmes et que des trucs cringe, et des trucs. Enfin, voilà, quoi. Mais je veux dire, ça vient après, en fait. C'est pas, Je mets pas l'accent là-dessus, je mets l'accent la... sur les qualités. Pour la le positif. Moi, je... je retiens hmm. le positif de la postologie aussi. Donc, je veux dire, voilà, quoi. L'épisode 8. Donc, pas Putain, que. Épisode pas 8. que. Mais quand je pense à l'épisode 8, je suis tellement heureux, en fait. de. Enfin, voilà, c ça, je t'ai le... 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 parlé du positif de la postologie. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, donc ma, ma psychologie à moi, c'est ça. C'est comme, comme dit notre cher euh, Galen Erso, it's a peaceful life. <laughs> bah ouais, non, mais c'est ça qu'il faut, ouais. Euh, genre, je comprends qu'il y ait des gens qui. Et encore détiennent. une fois, c'est pas parce qu'on aime pas des trucs qu'on va rester bloqué dessus pendant 5 ans. Ah non, évidemment. Tout le monde. Ah évidemment. Oui, bien sûr. Ça, y a des gens parce que ce y sera serait un, un de... comportement dégueulasse. Il y a des gens qui n'évolueront ne, qui ne, ne, jamais et qui bloqueront toute leur vie. Et en plus, mais... tu vois, Korsov, il y a pas longtemps. J'ai dû me revoir en entier de Book of Boba Fett. Bah tu sais quoi ah J'ai oui. bien aimé revoir. Bah oui, ouais moi je, 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 je me rêve, Putain, il faudrait que je le fasse, tiens. Mais <laughs> j'ai ai bien aimé remater la série parce que tu vois, un peu à posteriori, une fois que ça a décanté, tu vois, bah oui. j'ai bien aimé. Mais honnêtement, là, là, je pense à Book of Boba. Euh, le premier truc que j'ai en tête, c'est quand même la frustration. Ah, ça, j'avoue que ça ça reste, ça reste là, quoi. Moi, j'ai envie de revoir la, la, le dernier épisode, principalement. Immédiatement mais... après, je pense à Boba sur le rancor, je pense à, à, au, au retour sûr. de Cad Bane. J'ai vraiment. Mais péter un câble, le retour de Cad Bane, j'ai devenu un saint Genre, tu vois, re return to, return wow, to, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Genre, Cad Bane est venu, est arrivé. J'ai juste, j'y croyais tellement pas à ce qu'ils le mettent dans la série. J'étais, j'ai vraiment, en tant que fan, j'ai pété un câble. C'est un moment marquant en fait pour moi en tant que fan. J'étais tellement heureux. Comme le retour coup, de Koïgon. Bah, C'est ça. Bah, donc, donc je retiens ces moments-là parce qu'ils m'ont marqué et ils m'ont rendu tellement, tellement, tellement heureux que en fait, bah ok, du négatif, mais j'y repense quand même avec, euh, bah, c'est des bons souvenirs quoi, <laughs> globalement. Donc, euh, donc voilà, et pour Kenobi, beaucoup plus qu'au Book of Boba quand même, parce qu'il n'y avait pas les, les problèmes de Book of Boba. Euh, a, voilà, que la série est restée sur Kenobi et il n'y a pas eu, il a pas eu Mando euh, <laughs> qui s'est pointé en plein milieu, ni Grogu, ni Yasoka ni Luke. voici enfin, si Luke du coup, pardon, c'est de la merde. Euh, donc euh, voilà, c'est Bilan positif globalement. C'est mmh. pour ça que j'ai vraiment hâte de d'avoir les prochaines séries, et surtout Andor, The Acolyte et tout ça, parce que je sais que qu'il y aura plein de moments comme ça où je vais je vais freak out en tant que fan et je vais être je vais être à fond quoi. Donc euh, voilà quoi. Je vis pour ces trucs-là. Je sais que Lucasfilm en, en prépare encore euh, un certain nombre mmh. et euh, en live action, sans même parler de l'univers euh, des romans, euh, la haute république et tout ça qui me qui me procure des émotions tellement fortes. Enfin mmh. personnellement. J'ai juste tellement, tellement hâte de continuer à lire tout ça. Donc moi, je suis, je suis tellement heureux du travail qui est fait sur, sur l'univers canon et sur, sur les oeuvres sur les qui sortent là depuis genre 2-3 ans. Pff, je suis vraiment globalement très 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 satisfait de ce qui sort. C'est euh, vrai que si tu regardes l'entièreté de Star Wars en ce moment, c'est quand même globalement ouais. positif. Hein, donc euh... ça, moi, ma, ma fin, ma, mon état d'esprit depuis quelques bon. années, ma, ma philosophie depuis quelques années, c'est euh, quand même un bon moment pour être fan de Star Wars. Honnêtement, moi, je pense c'est un bon moment. C'est hein. pour ça que je disais globalement, Johan. <laughs> En ce moment, c'est ce c'est quand même beaucoup plus ambivalent qu'avant, j'ai l'impression. Ouais, C'est-à-dire oui, oui, mais je. Oui, je suis d'accord. Il y, 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 y a plus de points négatifs en oh. ce moment, quand même. Il y a toujours du positif, mais quand même beaucoup de négatifs. Ouais, je suis d'accord qu'on avait, on a quand même enchaîné euh, The Bad Batch, euh, Book of Boba et Kenobi, qui avaient des aspects qui nous ont quand même un peu beaucoup déçus, quoi. Donc, c'est vrai que. Aspects... Mais, mais c'est un épisode de The Bad Batch que j'ai toujours pas vu. <laughs> oh, je je verrai jamais ce truc parce qu'il n'y a pas de raison. <laughs> ce ouais. manque de respect total, mais euh, ouais, voilà. Donc, je suis quand même très positif. C'est ça. Mais cela dit, voilà, on a, on a discuté. Il y a plein de petits problèmes, mais globalement, ce que je retiens, c'est pas ça. Donc, euh... mm. Voilà. Euh, juste pour revenir sur un truc, c'est Mando Asoka qui en parlait tout à l'heure, mais en effet les comics sur Obi-Wan étaient censés se passer avant théoriquement, mais c'est vrai que là ça a an plus an de avant. sens. Ouais c'est juste un an avant, vu qu'en plus c'est une histoire relatée par Obi-Wan. Bon, bref. Euh, là la logique porterait à croire que ça se passerait après la série quand même. Mais euh, on oui, y reviendra. Il y a plein de trucs. Il, a, il, est, il est en mode défendre les gens. Il est plus en mode dépressif. Ouais. Il a son sabre à sa ceinture qu'il a déterré. Il a sa hutte dans les Jungle Wastes. Ouais. Donc, je veux dire, tout, tout indique que c'est après. Enfin, D'ailleurs, là, à la fin, il déménage. On, on sait très bien où est-ce qu'il va aller. <laughs> obi il va aller construire sa, sa hutte, là, j'imagine. Avec Koagon enfin, bon. qui va l'aider à construire. Ouais. <laughs> Après ceci dit, Yoda en fantôme de la force fait des éclairs hein, donc, euh, dans l'épisode donc Ah oui, non, 8, mais, donc, euh... ah oui mais bien sûr, les, 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 les fantômes peuvent interagir avec, euh, avec le monde des vivants. Hein. Mm. Mais euh, est-ce qu'il va, va lui dire eh hey, construis ta maison, ça fait partie de ton entraînement Clin d'œil, clin d'œil. <laughs> bah, ce sera toujours ouais, mieux de se faire sûr, construire en fait, par des droïdes, mais bref. Ouais, <laughs> les droïdes. Ouais, c'est clair. Ce flemmard de. C'est Oui, madame. Euh, euh. Après. Il y avait un point que je voulais aborder. Attends, je lis ma, ma liste. Ah oui, euh, euh. Merde, merde. Ah non, c'est pas ça. Bref, vas-y, parlez, parlez. <laughs> bah, j'ai pas grand-chose de plus à dire, moi, donc. Euh... Ok. Ah euh, oui, bah non, mais ça, j'ai trouvé ce que je voulais dire, mais je pense que ce sera dans ton diapo, donc euh, je vais m'abstenir. Je keep, keep it for later. <rire> <rire> Euh, ouais bah après bah sinon on n'a qu'à faire le diapo hein, si jamais ouais, ouais. Allez euh, Alors du coup on va commencer par deux choses déjà premièrement le sondage qu'on a lancé sur l'onglet Communauté oui. Et aussi j'en profite pour lancer un sondage dans le chat pour que vous notiez euh, bah, justement la partie 6 entre 1 et 5 euh, Vous pouvez participer justement dans le chat Vous pouvez le retrouver à partir de maintenant vous avez 10 minutes pour participer euh, à ce vote, alors j'ai un peu tardé j'avais complètement oublié l'histoire du euh, du, du, euh, du sondage donc je l'ai publié un petit peu tard mais en vrai on a eu quand même euh, ah, ah bah quand j'ai fait le, le cop... bon d'accord l'effectif a disparu, je vais vous le dire il y avait un effectif de euh, quasi 300 personnes pour les votes donc euh, et comme vous pouvez voir ça a donné donc 52% de 5 sur 5 34% de 4 sur 5 11% de 3 sur 5 1% de 2 sur 5 et 2% de 1 sur 5 donc quand même majorité écrasante 86%, euh, euh, 86% c'est ça hein, de quand même de, de 5 et de 4 euh, donc c'est oh. quand même assez globalement satisfait on retrouve à peu près les mêmes les mêmes notes donc euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'épisodes qui est moins plus que les autres. Enfin bref, globalement, c'est quand même assez satisfaisant pour la série. Hein. Je veux dire, il y a une grosse majorité de gens qui apprécient, qui donnent des notes assez élevées pour les épisodes. Donc euh... après, je pense qu'il y a pas mal de gens juste voir Ewan McGregor en Obi-Wan avec un sabre laser bleu. Oui. Bah après ça ouais, dépend les attentes que dépend. Mais après aussi ah, ça, ça dépend des de attentes. Mais, je pense, mais je, pense que, je pense que ça pour beaucoup de gens c'est déjà... ça leur suffit. Ça fait une moyenne de 4,33, qui est donc la moyenne la plus élevée qu'on ait jamais eue. Ouais. c'est un final aussi hein. Donc. Oui euh... voilà. 4,33. Exact. J'avais la moyenne aussi, mais vu que je me l'a pas copié sur l'image. <laughs> <laughs> Parce que j'ai fait de ces copier-coller depuis le, le, le graphique en lui-même. et Je crois que Barak avait mis un petit texte. En fait, c'est une zone de texte par dessus, donc ça l'a pas copié en même temps. Mais bref, bon, ah oui. je sais pas grave. <laughs> J'aurais dû faire une capture d'écran. Euh... <laughs> du coup, ouais, bah alors évidemment, je reviendrai sur le, le vote que vous avez euh, auquel vous participez quand il sera terminé. Mais euh, pour l'instant, euh, ça m'a l'air plutôt pas mal. Euh, alors, euh, comme je disais, j'ai quand même fait un petit diapo, même si Barek n'est pas là, euh, par rapport aux différentes euh, références, des petits, des petits trucs à noter justement dans l'épisode. Euh, et je suis content parce qu'il y a 2-3 trucs dont on n'a pas parlé, donc ça va. Euh, ouais. <laughs> euh, juste un petit truc pour poursuivre sur ce que Barek avait exposé dans les épisodes 1 à 5. Euh, un petit peu les parallèles, on va dire, avec la saga Skywalker. Enfin, euh, la saga Skywalker de 1 à 6. Pour euh, J'avoue, j'ai pas trop réfléchi. Alors, à part qu'Aïgbonne à la fin, je vois pas trop les parallèles. En fait, <laughs> c'est très. Je trouve que j'ai eu un petit peu plus de mal à voir les, les, les parallèles. Alors peut-être que c'est moi, euh, par, par Idolil, qui, qui vois des trucs. Mais en fait. <laughs> non, non, mais des fois, hein, c'est comme, euh, comme dit le 8e docteur euh, les, les humains voient des, euh, des patterns un peu partout. Euh, bref, alors qu'il y a rien, tu vois. Mais bon, bref. Euh, <laughs> euh, comment ouais. dire on, on a quelques petits points communs, même s'ils sont bien moins euh, présents, on va dire, que dans les, euh, bah, dans les épisodes précédents. Ce que j'ai noté quand même, c'était vraiment le... Alors, je sais que c'est pas le deuxième affrontement, en proprement parler, dans tout le canon, mais bon, dans la saga de films. Le euh, deuxième affrontement entre Luke et euh, Vader, qui fait un peu écho au second affrontement, tu vois, de... de euh, justement, de, de Obi-Wan et Vader dans celui-là. Donc, la deuxième fois qu'un personnage, un Jedi, a, affronte euh, Vader dans celui-ci. Et... Un combat au terme duquel, bah, Vader est démasqué d'une façon ou d'une autre. Voilà, j'ai hey, galéré. Je hein. <laughs> sais pas si ça se voit, mais euh... ça et passe. ça passe. non, franchement, ça passe. Et euh... après, du coup, aussi, l'apparition de qui faisant écho à l'apparition des fantômes de force de la fin dans le 6. Bon, euh... et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pensé, mais vraiment dans l'épisode, j'ai pensé à. Putain, ça me fait penser à ce plan quand Vador il descend sur Endor avec sa navette. <laughs> Je sais pas pourquoi. Ça fait allusion. Ah, ouais clairement. <laughs> Mais surtout qu'en plus, la navette lambda, on l'avait pas vu jusqu'à maintenant dans la série. Si Si, on l'a vu dans l'épisode juste avant. Euh, oui. Dans l'épisode juste avant quand... Oui, quand il arrive, ce euh... quand Vador arrive sur. Euh... Sur. Euh, quoi, euh, j ai, j ai j sur Quand il dit pas, perm... Non, ça c'est dans cet épisode. Attends. Non, elle y est pas dans le 5. Non, elle. Là... Dans le 5, quand, non, quand Vador se rend il y a, sur Non, Jean il n'y est pas, effectivement. Autant pour moi, okay. il n'y est pas. Donc, Echo, euh, bah, j'ai bien raison de mettre la lambda, puisque c'est dans l'épisode 6 qu'on la voit la première fois, la navette lambda. Euh... Je fais un jeu de mots de merde, fait, je ne veux que... pas qu'il passe inaperçu, parce que je veux qu'il y ait de la gêne parmi vous. De quoi Donc, Je vais répéter mon jeu de mots de merde. La planète tu de l'épisode 5, 5 qui s'appelait Jean Dommage. Quoi Quoi J'abîme ah putain. Voilà. Non d'accord. Non mais non mais sinon en fait. Je vais répéter parce que je crois que je l'avais ah pas compris. Suis... <laughs> Attends la navette Lambda bon. elle apparaît dans le 5 Je déconne moi. Non 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 elle apparaît pas dans le 5 Non elle est dans le 6 Si 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 quand il... on voit une navette Lambda mais c'est peut-être l'édition spéciale. Ah non, non dans l'épisode 5 de ah oui de Star Wars pas de la, de la série. On la okay. voit parce qu'il rejoint l'exécuteur à bord de que... celle-ci mais bon bref. Parce que quand tu as dit que tu voulais que le truc passe inaperçu, Corsof, j'ai cru que tu parlais de la navette lambda. Oui, parce qu'elle est lambda. Mais j'étais en train de prendre ma respiration pour dire, faire cette blague. <laughs> bah ben voilà. Bah ben trop tard, j'ai fait avant. Ah <laughs> oh merde, j'ai pas entendu. C'est ça. Bon, du coup, <laughs> voilà, euh, quelques petits trucs. Mais après, c'est vrai que les liens étaient un peu plus clairs avec, euh, avec les épisodes précédents. Par exemple, l'attaque la, la, de la base Echo, l'attaque de la base de Jabim, etc. Pas mal de trucs même qui étaient assez... Euh... C'est clair, là c'est un petit peu plus diffus, on va dire comme euh, comme référence. Est-ce que du coup euh, la plus théorie, on va de... être lire comme référence. voilà, c'est ça. Euh, du coup, je continue avec euh, du coup euh, bah, un truc dont on a parlé quand même dans le dans le stream. Euh, du coup, le retour de Qui en fin d'épisode qui fait écho bien évidemment à son apparition euh, bah, justement dans l'arc Mortis de The Clone Wars et aussi qui est très raccord, on va dire, avec le euh, bah, ce qu'on avait dit, enfin ce qui avait été raconté dans Skywalker Familiatoire, où on disait évidemment qu'il avait vraiment pleinement pris contact avec Qui-Gon pour la première fois, euh, dix ans après l'épisode 3, ce qui est exactement le moment de la série. C'est comme si Christine Baver savait exactement ce qui allait se passer dans la série Kennedy, ouais, donc Voilà. Et par contre, <laughs> le, le livre est sorti quand même pas mal de temps avant quand il pense... donc... Euh et euh, aussi euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure mais la nouvelle Master and Apprentice qui est présente dans euh, From a Certain Point of View qui est écrite du coup par euh, Claudia Gray et qui a le même titre d'ailleurs que le, que le roman qu'elle a écrit aussi avec euh, Obi-Wan et euh, Qui-Gon dans lequel on apprend et avec, Ross. Et avec Red of Ross évidemment voilà ah, <laughs> c'est coteux et du coup euh, dans laquelle on apprend que quand Luke s'en va, il me semble que c'est ça de mémoire parce que ça fait longtemps que je l'ai lu euh, From a Certain Point of View euh, il me semble que c'est quand ouais. Luke s'en va euh, ouais. avec son landspeeder Speeder, qui gon ouais. communique avec Obi-Wan euh, à côté du sandcrawler Jawa en fait et, euh, il y a, une, y a une discussion je entre les deux à Luc, ce moment-là attendent euh, que Luke revienne pour accepter sa sa destinée en fait mm. c'est fini Tatooine pour lui et il y a tout un truc justement un truc, okay. sur le c'est via Master and Apprentice et c'est aussi une autre nouvelle c'est Time of Death si je me souviens qui revient oui. sur justement bah, les fantômes de force quoi comment ça, ça comment ça marche les esprits exact, donc euh... exact voilà Personne n'a relevé mon, mon pseudo, euh, ma pseudo référence au Hobbit, mais bref, bon. <laughs> Gone and back again. Non Bah oui. J'avais pas lu, bien vu. <laughs> voilà. Je. <laughs> ouais, donc quand on faisait les blagues sur Quiagon, Qui back tout à l'heure, c'était vraiment ça en fait. Ouais, <laughs> euh, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais ça s'entendait dans son intonation. Son <laughs> Il cachait quelque chose. Ouais, j'ai rien dit. <laughs> Euh, mais du coup, et d'ailleurs, si, c'est dommage que ça, ça ne paraîtra certainement jamais en France, mais Skywalker et Family At War est très intéressant. Alors ça fait que euh, re-raconter euh, en, en soi l'histoire, mais ce qui est bien c'est que ça englobe aussi les séries et pas mal de trucs. Euh, ouais. Il est assez complet ce bouquin-là, il est très très cool. Ça fait un peu comme un, je sais pas, un bouquin historique limite. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup l'aspect du livre et euh, c'est quand même assez cool. Alors, ça raconte Star Wars en fait. Ah non, c'est ça. Mmh via justement <laughs> la famille Skywalker et ça apporte pas mal de choses sur bah voilà, comment ça marche. Ça fait allusion. Mais, voilà. mais ouais, il y a eu une, a une c est, c est bonne cool, réception en fait. sur ce bouquin, franchement. C'est ça. Je ne l'ai pas lu, mais je peux lu. comprendre qu'il était bien. Oui. <laughs> euh, ensuite, euh, du coup, euh... <laughs> j'ai un peu honte pour ce titre-là, mais bref, c'est pas grave. Euh, du coup... Évidemment, on l'a tous vu, on l'a tous remarqué, la tenue de, de fin euh, d'Obi-Wan Kenobi. Euh, je pas vu parce que je voulais pas Nouveau look pour une nouvelle vie. Mais attends, c'était pourquoi déjà qu'on avait dit. <laughs> Alors, enfin, je crois, live la semaine dernière, on a fait une blague avec cette. Euh... Peut-être, je m'en rappelle plus, mais peut-être. Alors, par contre, ce look là est quand même particulier parce qu'il remonte à Macquarie, Comme euh, vous pouvez le voir en fait sur la l'image qui est juste au-dessus de, de la sideshow ah. Mythos là. Et Ça, en fait, pas pour ouais, c'est une. Euh, là, c'est un dessin préparatoire, donc c'est pas vraiment une peinture ou quoi de Macquarie, mais c'est un, un dessin euh, préparatoire, un artwork, qui présentait justement une version euh, possible du, du costume d'Obi-Wan Kenobi avec justement les lunettes, l'espèce de veste là, qui, qui fait comme un, un à sans, euh, sans manches, euh, quelques petits, euh, petites affaires, une ceinture, quelques sacoches, etc. Donc on retrouve vraiment un petit peu l'idée de, de celui-ci. Enfin, de, de, du costume qu'on a, qui a été repris ensuite hein, dans le côté un peu mythos, euh, c'était une, une gamme de. Je crois que c'était Sideshow, je crois qu'ils faisait ça, euh, avec des statuettes justement qui euh, mythifiaient, on va dire, certains personnages et qui les rendaient encore plus euh, badass à l'extrême. Et euh, ils avaient fait justement un, un pseudo euh, mix euh, Ewan McGregor à les Guinness, euh, mode euh, ermite du désert, avec euh, justement un petit peu cette idée-là de, de tenue. Et du coup, look plus ou moins repris dans, 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 les, dans les comics, euh, surtout sur cette cover dessinée par Mayu, si je me souviens bien. Et euh, qui fait partie justement des covers qu'on avait eu pour euh, le, le journal du vieux Ben. Donc euh, les, les petits one-shots qui étaient de ci, de là dans la première série euh, Star Wars, euh, faite par Marvel à partir de 2015. Mais du coup, c'est une histoire assez, euh, assez ancienne, euh, cette tenue-là au final. Ouais, avant de, de chercher, de voir des trucs par rapport à ça, je connaissais pas la, le, le, le design de Macquarie par exemple. Attends, Donc, euh, euh, la, la figurine Mythos elle est sortie avant ou après le comic Alors, il me, semble, il me semble que la Mythos est sortie avant. Ok. Euh, alors attends, Mythos. Je pense que, je, je pense que tu Mythos. <rire> <rire> euh, alors attends. <laughs> en fait, non euh, Obi-Wan, Sideshow, Mythos... Elle a été faite quand Il a pas une date Ce serait pratique s'il y avait une date sur votre site à la con la Sideshow. Là. <rire> <rire> euh, parce que ça date un peu celle-là. Hein. Ouais, ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Ah, je peux faire une visualisation de 3D dans ma, dans ma pièce. Non, non, c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Elle est sortie quand euh, 2014 il y, avait une de... Il y en avait une qui datait de 2014, okay. de Mythos. C'est pas exactement celle qui a l'image, d'ailleurs, mais elle est un peu pareille. Nice. Donc, ouais, là, bah, je, peux vous la... je peux vous la mettre à l'écran. Euh, on a oui. une... une version d'une autre, du coup, une autre Mythos, celle-ci. Et qui est sortie en 2014, donc avant les premiers comics Marvel. Donc, euh... là, voilà. Oh, okay. Très bien. Et on reconnaît bien euh, la même robe, le même machin, le même équipement. On reconnaît même Avec le, le petit, c'est ça. Et le, le, même la petite, euh, tu sais, la, le petit bout d'armure euh, Jedi euh, de la garde des clones euh, à gauche. On voit euh, le, la attends. petite épaulière là. Oui, mais ça, elle est, elle est pas dans l'épisode de Kenobi, celle-là. Non, 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 mais entre les, en entre les en deux, quelque chose non, non, entre les deux statuettes mythos, <laughs> je veux dire. Oui, oui. Et bah bonne soirée à toi, les sœurs, et à bientôt, du coup, à dimanche, ouais. Euh, alors, ensuite, est-ce euh, que je me retrouve dans mes trucs Alors, oui, on en a un petit peu parlé. <laughs> euh, du coup, moi, j'ai eu des grosses réminiscences d'un comics légende plus ou moins canon, même à l'époque. Euh, ne serait-ce que par le ah. fait qu'il y ait une attaque de la maison des Lars par euh, un Dark Oui, oui. Euh, avec une lame rouge euh, qui tente de s'en prendre. Euh... Enfin, il s'attaque plutôt à Obi-Wan en vrai qu'à la famille, mais bon, Luke est un moyen de, de s'attaquer Obi-Wan si je me souviens bien dans Old Wounds du coup. Euh, mais il ouais. euh, y a vraiment là, je, je me suis dit, j'étais vraiment là dedans quoi. Alors, ouais, pareil, je me suis dit, est-ce que ça va finir comme Old Wounds vraiment Voilà, la question étant, est-ce que ça va finir de la même façon La réponse est non, puisque euh, dans Old Wounds, c'est Owen qui, au terme d'un combat avec Obi-Wan, dé. Combat avec Obi-Wan et euh, entre Obi-Wan et Maul. Attention, pas avec Owen. Euh, c'est Owen qui finit par descendre Maul justement d'un coup de blaster en pleine tête. Et imaginez si c'était passé comme ça dans Rebel, c'est en plein milieu du duel, paf. Ça aurait <laughs> été honteux. Après, par contre, c'est un comics vachement important parce que c'est quand même celui-ci qui a inspiré, même si ça n'a pas forcément été, voilà, ouais, c'est ouais. qui a inspiré du coup l'apparence euh, première de, de Maul quand il est Filoni, revenu dans The Clone Wars. Ouais. Le nid et son ego surdimensionné. C'est ça. Et d'ailleurs, franchement, je me suis dit dès le moment où où, où Beru commence à sortir les flingues des murs là, je me suis dit ah, oh là 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 là, ils vont faire ça, non. Ils vont la, ils vont la sniper. Du coup, ouais, alors. C est, c est, en plus, t'as un peu le. Alors là, c'est de nuit dans l'épisode, mais dans Old On, si je me souviens bien, c'est un peu euh, soleil couchant. Enfin, euh, je sais pas. T'as as un ouais, petit peu ça le, ça. la même ambiance, quoi, un peu. Euh... Il arrive euh, au coucher du soleil, Maul, je crois. Genre, t'as un plan où tu vois ouais. qu'il court dans le désert, et puis t'as les soleils qui se couchent derrière, un truc comme ça. Et d'ailleurs, si je disais que c'était une canonicité un petit peu discutable, c'est que, bah, justement. Euh, bah, c'est le seul. Bulle, le... Je crois. <laughs> Comment Le fait qu'il ait survécu euh, dans les c'était. C'était bah, bizarre, non? Ouais. Et surtout qu'en de... plus, c'est le seul. Euh, alors, en dehors de The Clone Wars en soi, hein, mais c'est le seul. Euh, comment dire? C'est la seule œuvre qui euh, fait revenir Maul vraiment, parce qu'il y, y avait une histoire de doppelganger ou je une sais pas quoi. De, une histoire de clone aussi, hein, avec Vador. Bah, c'est ça, c'est un doppelganger, celui-là, si je me souviens bien. Ah oui, c'est ça. Mais. Euh, c'était le seul qui présentait un retour de Maul et qui euh, te présente une histoire où, genre, il a traqué Kenobi pendant des années, des années, des années. Alors, ce qui était un petit ouais. peu drôle, c'était quand même que Maul arrive toujours en retard, <laughs> pendant toute l'histoire galactique, mais <laughs> bref. Genre, il est arrivé sur Kamino juste après Obi-Wan, il est arrivé sur Genesis juste après Obi-Wan, enfin bref. Et je crois qu'en plus, il voit pas Anakin de loin sur Mustafar Ou un truc comme ça c est, c est, c est. Voilà, voilà, enfin bref c'est heureusement, spécial. ça n'a jamais été canon, du coup. Oui, oui, non, bien sûr. <laughs> oh, ouais, Après, euh, j'apprécie le délire, moi, pour, personnellement, mais. Euh... Ouais, si tu, si tu le prends avec euh, légèreté, c'est ouais, marrant. Si quand même. Le prendre comme tel, hein, c'est vraiment autodérision. Ouais, bien <laughs> ouais, sûr, c'est marrant. C'est très, très, très drôle, Moi, j'apprécie, enfin, je, je trouve ça super cool, vraiment, dans Rebels, que, qui est quand même le, la mention, quoi. Que Obi-Wan dise, I will mend this old wound. Genre, quand il a dit ça, je suis en oh C'est <laughs> ça. Et puis, mine de rien. Euh, la référence enfin ça a inspiré euh, inspiré du coup Filoni sur bah le oui, bien bien sûr. le mol dans un canon hein. bah voilà hein. ça a eu euh... une incidence quand même hein, sur le canon donc euh... c'est ça il met Old Wound de... euh, si euh, dans, dans l'épisode de Reveil t'as 1 qui dit euh, Old Wound ça ça confirme que Filoni est bien conscient de l'existence de ce comic et qui vient de se trahir en fait oui total <laughs> euh, du coup pour poursuivre un petit peu sur cette scène là euh, je vais poursuivre avec une petite diapo sur Reva euh, dans le sens où on, on l'a construit vraiment comme une sorte de miroir d'Anakin un peu inversé, dans un sens euh, par rapport à la série, on va dire, hein, par rapport à ce qui lui arrive. Et il y a un petit détail qui, qui m'a assez marqué euh, entre l'épisode 2 et euh, la fin de, de cette partie 6, euh, dans le sens où euh, ces deux personnages qui ramènent un, un corps euh, au homestead d'Ellars, et dans le sens où Anakin lui ramène un corps mais de quelqu'un de mort donc je penser, ça, ça. Et par contre Reva et même en termes de couleur c'est ouais, ah, et... c'est la même chose. Ouais, non c'est pareil hein, ça ça se ressemble pas mal. Et euh... ah, j'aurais bien aimé voir moi c'est euh, bah qu'on voit un peu les euh, les pierres tombales quoi. Ah mais elles ont été enlevées peu... Ça c'est dit. Ah le alors ça j'ai pas. Oui, oui non elles y sont plus. Et euh, du coup. elles ont été enlevées quand par qui Avant avant pour que Luc euh, voilà. Avant, ah, attends, genre. après, après j'ai peut-être une idée parce que. Attends, parce que j'ai une contradiction Jedi, dans les, les, autres, les, autres, les autres. Les autres Jedi, ils savaient qu'Anakin venait de Tatooine, non J'imagine, euh... oui. Ouais. Oui, bah, du coup, ça explique que. Enfin, en, des enfants sur Tatooine. Euh... Je sais pas. <laughs> ah. C'est peut-être comme ça que Reva a compris des trucs. Ah, pas con. Oh, en plus pas. de Skywalker. Mm. Possible. Après par contre du eh oui, coup pour utiliser. Euh... Euh... Ouais, pour pour tu, tu sais à peu près, à peu près en quelle en quel année, enfin quel moment ça, elles ont été retirées du coup les Ah tombe. je sais plus, mais il faudrait que je te retrouve le truc, mais j'avais déjà recherché ça pour parce une que vidéo. Que J'ai a peut-être bah, y... une incohérence là du coup, parce qu'on sait que euh, je crois que c'est. Attends, c'est dans... From a certain point of view, je crois. Bon, on apprend que euh, Obi-Wan, au cours des années de son exil... Euh... Eh ben, dépose des jouets sur la tombe de chemie pour que Luc les voie et les prenne. Ah. C'est une info canon ça. D'accord. Il euh, faudra creuser. Que pendant que, pendant que Luc grandit, il y a la tombe de chemie. Donc euh, il faudrait savoir quand est-ce qu'elle a été retirée. Parce que si c'est genre au moment où les Lars mmh. accueillent Luke, c'est-à-dire à, à l'épisode 3, bah ça merde là, pour le coup, il y a un problème. <laughs> Je me souviens d'avoir fait un LTR là-dessus, mais c'était il y a un moment. Donc euh, à voir. Je retrouverai le texte. Je retrouverai, ouais. <laughs> je retrouverai, ouais. Euh, du coup, pour poursuivre sur Reva, euh, comme tu disais, Johan, même en termes de couleurs, en termes de choses. Alors, par contre, c'est qu'il y a des trucs qui sont assez intéressants, si on analyse un petit peu loin, on va dire là-dessus. C'est qu'il y a des choses qui sont étonnamment similaires et des choses qui sont totalement contraires, en fait, dans ces trucs-là. Euh, vraiment, tu vois l'aspect le, le, du euh, le jour du côté d'Anakin, la nuit du côté de Reva. Même le côté inversé, on va dire, tu vois, de, même du, du plan, par exemple, le corps qui est tenu dans l'autre sens. Donc, t'as vraiment un peu ce, ce, cette ambivalence. Elle est un peu comme Anakin, mais en même temps, elle a su se détacher de sa vengeance, etc. Donc, est-ce que c'est -ce est analysé jusque-là J'en sais rien, mais en tout cas, il y a, y a tout un truc assez, assez sympathique sur, sur ce personnage qui a fait le bon choix en termes de, de fin, quoi. Qui s'est pas laissé dicter par, par sa vengeance. N'a pas tué Luke et donc ne fait que le ramener. Et elle, elle ramène un elle être vivant. Elle a eu la bonne fin. Elle n'a pas eu la fin côté obscur. <laughs> et voilà. Donc, petit, petit truc qui m'avait marqué pendant l'épisode. Je me suis dit, mais ça m'a vraiment frappé. du style. Euh... Ah, ça me rappelle quelque chose. <laughs> euh, ensuite. Alors, justement, on l'a évoqué aussi. Le fameux casque fondu de, de, de Vader. Euh, côté gauche sur Rebels, côté droit dans Obi-Wan Kenobi. Et par contre, est-ce que c'est une symbolique Il euh, y en avait deux 3 qui avaient partagé ça justement sur internet euh, suite à la sortie de l'épisode. Mais euh, la seule personne qui dévoile totalement Vader, c'est Luke justement. Et là, on n'est que sur du casque fendu jusqu'à maintenant. Donc il euh, n'y a que Luke en soi qui peut atteindre Vader. Le seul ça, qui en peut. Voilà. Euh, d'abord, tu as Obi-Wan qui essaye d'atteindre Anakin, mais en mais fait, il bah, y, a, y a Vader coup, qui prend le dessus et c'est un échec. Ensuite, Asoka essaie la même chose de l'autre côté. Pas. Bah pareil, ça marche pas. Il y en a qu'un seul qui arrive. C'est une belle symbolique. Pour le coup. Moi, j'aime bien que tu ce même, soit pas le même tu côté. Même en fait, les... Ça, c'est pas le même côté. C'est-à-dire que tu as Asoka d'un côté, Obi-Wan ouais, de l'autre, et du coup, et du coup, il reste plus grand-chose de Vader et c'est Luke qui s'en occupe. Ouais, mmh. c'est ça. Ça peut être une explication. Voilà, est que ça est... a été vu. Est-ce que ça a été voulu comme ça, tu vois ça le truc, c'est le rideau est bleu, euh, est-ce que l'auteur voulait parler de la tristesse, tu vois genre Bien sûr. Euh, la couleur de rideau, enfin bref, bah, Après moi je pars, je pars toujours du principe que il euh, y a des choses dans une œuvre qui sont voulues, qui sont faites telles quelles pour ça. Et il y a une partie de l'œuvre qui échappe un peu à son auteur et qui est interprétée c'est ça. Oh, oui, c'est oui, oui, Exactement, ça exactement ce qu'on a vu en, en analyse filmique, justement en cours d'analyse filmique, c'est que même si l'auteur l'a pas voulu, c'est là quand même. Hmm. Et si c'est analysable, en soi, il euh, y, a, y a moyen, il y a matière quoi. Donc euh, c'est ça. Moi je trouve que c'est pas déconnant. <laughs> en gros, <laughs> pour avoir un résumé rapide. Mais euh, ouais, j'ai euh, c'est voilà un petit. Euh... Il y a vraiment que Luke quoi, qui, euh, qui pourra sauver Anakin et petit symbole avec ça. Juste par rapport à l'histoire des pierres tombales, en fait, apparemment, ça a été dit qu'elles ont été retirées dans le Darth Vader euh, chapitre 1, dans la série Darth Vader de 2020. Donc, je vais aller lire cette, euh, ce chapitre oui, immédiatement. C'est quand ils bah, justement quand Vader est... va sur Tatooine Elles n'y sont plus Elles ont été Elles sont en dessous Ah, c'est juste ça en fait. C'est pas dit. C'est juste. Euh... Ah, elles sont. Ah oui, je me souviens de cette image. Oui, oui. Voilà. Elles sont en dessous. Oui. Bah en fait, j'avoue que j'avais à l'époque j'avais juste interprété que le, le sable avait recouvert, euh, tu vois genre, je pensais pas que c'était euh, intentionnel de la part des lars. <laughs> mm. bah, C'est un peu exclusive. ce que disait Yohann euh, hein, Valenmall hein. Les interventions euh, d'Asoka de Ben qui sont partielles, mais euh, Luke qui donne le, le, le dernier, la dernière impulsion quoi. Mm. Ça peut être un peu ça. Et la dernière image, ce n'est pas du tout Dark Vador qui joue de l'harmonica, attention. <laughs> pour ceux qui pour ceux qui connaissent cette vidéo. Ah, elle est incroyable cette vidéo. <laughs> Je connais pas la vidéo, mais c'est drôle quand même. Ah, bah alors attends, on va la sortir. ensuite, j'avais une petite diapo intitulée Goodbye Darth. Euh, justement, euh, petite reprise, on en a parlé tout à l'heure de euh, bah, des répliques en fait de d'une réplique assez curieuse de l'épisode 4 quand même où on se dit pourquoi il l'appelle comme ça quoi. Euh, comme disait Korsoff si on, on, on connaît pas trop, on se dit ça se trouve c'est son prénom, Dark Vador quoi, Darth. Euh, mais euh, bah, en fait non. Après, est-ce que cette volonté de l'appeler Darth, est-ce que c'est pas une volonté de ne pas vouloir l'appeler Vader par exemple Je sais pas. Est-ce que c'est un, un renvoi direct à son statut de Sith Et genre au-delà de ça c'est plus rien pour lui. Il y a plein de d'interprétations possibles. Saga. Pour le... moi je trouve enfin, que... pas, pour, mmh. pas, pour, pas, pour, pas pour se moquer mais plus pour, euh... pour le tease bah, d'accord tu t'appelles Dark Fador bah, d'accord Dark comme tu veux je vois pas trop B1 faire ça curieusement bah, uh -huh. euh, je sais pas assez... c'est assez ambivalent parce que Bi c'est quand même le maître du sas oui certes et à son à son ce là c'est ouais. plus euh... bah dans l'épisode 4 je vois complètement faire ça ah, là, oui, dans oui. Le texte, ça paraît un peu bizarre mais en même temps ça se défend quand même c'est un, un, un autre homme dans l'épisode 4, donc euh, qui le tire Ah, bah oui, fin, fin, je veux dire. Non ça, non, ça, mais je veux dire, là, c'est plus de, de tristesse. Et... Ouf, okay, tu, ouais, là, c'est plus, t'es de devenu un de te Sith Darth, genre, voilà maintenant, tu t'appelles Darth, ah, Darth Vader. D'accord, tu t'appelles Darth Vader, bon bah. Darth. D'accord, Darth, comme tu veux. Whatever. Whatever. Ouais, c'est ça. Du coup, on reste sur des répliques aussi. Euh, avec, alors, bon, on en a parlé évidemment, hein, puisque c'est quand même un fait, quand même majeur de l'épisode malgré tout, qu'on le veuille ou non. Euh, et j'ai noté d'ailleurs en titre de diapo toutes les traductions françaises. Euh... Bonjour toi, salut à tous. Bonjour jeune homme. <laughs> voilà. Alors pour le coup, pas bonjour toi. Ça aurait pu très je bien je passer. Je comprends pas non plus. Ça euh, n'a pas de sens. Mais le fait est que, bah évidemment, on a le ah, retour ah de oui, la réplique. C'est vrai, euh, vrai qu'il dit bonjour toi. À R2D2. Putain, il aurait dû dire bonjour toi. Mais bon après la VF, euh, voilà, moi je je suis très opposé à la VF, vous le savez, donc je vais arrêter là de, de la critiquer. Voilà. Bah, après, tu vois, moi je suis un très, euh, alors je me déclarerai pas en tant que pro vo non plus. Je consomme quasiment, enfin je je regarde, je lis, à l'exception des comics euh, pour certains d'entre eux, mais Genre on va dire, allez, 90% de ce que je vois, ce que je lis en Star Wars, c'est en anglais. Après par contre, je suis tout à fait, tu vois, je pense que toi aussi, Korsoff. Très au fait du, bah justement de la nécessité de traduire pour que tout le monde puisse lire et tout le monde puisse regarder sans, sans souci. sûr, mais c'est pas traduire qui me dérange, mais des fois c'est ouais. pas bien fait comme là. Voilà, c'est <laughs> ça. C'est plus les, les, les petites erreurs, les petits écueils de traduction. C'est même Lucille Gallio qui, l a, qui en parlait là, tout à l'heure sur Twitter. Pour moi, le, le plus grave, c'est quand c'est traduit et que ça... Bah, du coup tu perds le sens de la phrase d'origine et du coup tu, des générations de personnes comprennent mal une, une, un élément de l'histoire. Ouais. En fait. Et C'est et... pour ça, ça qu'il faut regarder des animés en japonais. Bien sûr. Puis même, mais de toute façon, la, la, oui, la version originale est celle, dire, bah, au cœur quoi. Après, euh, le problème aussi étant que, euh, au-delà des petites références, comme tu dis, ça peut créer des, euh, des, 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 petites incompréhensions, des, 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 biais un petit peu de compréhension aussi hein, chez certains. Et euh, d'où, même les, parfois, bon, ça c'est plus compliqué à savoir, ouais. mais. Moi je pense à un exemple dans une série, c'est une phrase qui est, dite, qui est dite dans un contexte et qui est traduite comme telle en anglais, et, euh, et après elle est utilisée, la même phrase, dans un autre contexte, mais du coup ça n'a plus de sens. C'est plus la même, ouais. c'est ça ouais C'est ça. Enfin, c'est ouais. la même phrase dans la traduction parce qu'ils l'ont réutilisée, parce que c'est le même extrait audio qui avait été utilisé, donc ils ont utilisé le même extrait audio du, du doublage, sauf que dans le contexte... Après... Par ah, exemple, pour euh, se recentrer sur le, le sujet, euh, donc Hello there, c'est quand même pas un truc si évident que ça à traduire, quoi. Vraiment, non. Euh, du coup, euh, ça dépend du contexte. Surtout, genre, pas... Surtout quand bonjour tu, toi, quand tu commences vraiment avec euh, la première réplique traduite c'est bonjour toi. Ouais. Mais là, là, logiquement, ils auraient jamais dû le faire dire bonjour, jeune homme. Ils auraient dû lui dire bon... Enfin, bon, bonjour, toi, ça aurait été le truc le plus logique. Mais genre, quand tu penses aussi à, à Grivous, je sais pas ce qu'il dit en VF dans, dans The Clone Wars, mais il va pas dire salut à tous, quoi. Genre... Non, effectivement. Vrai, il va dire quoi, il, il, va dire il, dit... quoi il va dire bonjour, quoi Il va dire bonjour, jeune homme Il me semble qu'il a juste dit bonjour. Coucou bien, semble... le... <laughs> bien le bonjour c'est encore un autre truc tu vois donc ça le problème c'est qu'une réplique comme celle-ci qui est culte bah n'a pas de traduction euh, claire c'est comme le I have a bad feeling about this qui est traduit de deux façons en français ouais. entre Bien le et tout ça ne me dit rien qui vaille oui il y a ça aussi ah <laughs> j'avais oublié celle-là mais tu sais que je ah, préfère y a y a même celle-ci hein. mais bref après que ce soit une question de préférence c'est pas tant ça la question mais euh, on a une traduction on s'y tient quoi sinon tu comprends bon, pas euh, les références là, ça fait quand même le temps que, que, que j'ai commencé à lire la trilogie de Throne, et puis on a sur notre Discord à nous trois, ah et, oui, oui. et Barak. Des fois, je mets des screenshots, des traductions horribles, parce qu'on me l'a offert en français. Moi, je lis toujours en VO les, les bouquins, mais là, celui-là, on me l'a offert en français. Et Du coup, mais je m'arrache les cheveux, hein, vraiment. Enfin, ouais, non, mais c'est particulier. Ouais. C'est infernal. Genre, les répliques cultes des films, euh, et ben, ils n'ont pas repris la traduction VF des films, c'est-à-dire euh, qu'ils ont sorti euh, 15 ans avant. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux. <laughs> T'as pas un exemple sous la main? Oui, j'ai un exemple, bien sûr. Le dernier truc ah. que j'ai lu, c'était Han euh, <laughs> Solo qui dit en VO dans. Donc, c euh, Never tell last me od od c ah, the odds. C'est dans The Last Command de la trilogie Throne. Euh, la trilogie euh, Légende, pardon, j'ai pas précisé. Euh, et à un moment, il dit Never tell me the odds. Bon, tu te dis, bon, pourquoi est-ce qu'il redit? Bon, c'est un peu fanservice aussi, mais bon, c'est un détail. Et ça a été euh, traduit par. Euh, par, tu sais euh, non ne me parle pas de rapport de force <laughs> Alors qu'en français dans le film c'est tu sais moi et les probabilités C'est ça C'est genre... traduction Bah ouais. tu sais moi la probabilité c'est une excellente traduction et du coup j'étais en mode mais pourquoi ils ont pas repris ce qui était traduit dans le film quoi comment gars qu ils sont mauvais et que du coup ils doivent faire des trucs mauvais parce que enfin ils sont obligés mm. contractuellement non mais je pense que c'est traduit sans, euh, sans rapport avec le film quoi je veux dire c'est le ça. texte a été traduit quoi c'est tout c'est ça, euh... mm. ça, ils sont pas allés checker le film. Et puis y plein, y aussi, hein, bon, voilà. il y a plein d'exemples aussi, mais bon, voilà. C'est ça. D'autres exemples en plus. Les LX, ouais, par exemple. C'est pour ça que je... C'est dans le film comme ça, par contre. Ouais. Ah, les LX. Dans hein. l'épisode 5, ouais. <laughs> ça, c'est traduit comme tel, les donc ça Attends, c'est quoi les Scadrons J'imagine ouais que c'est Rogue Squadron Non. Non non, non. c'est pas ça. Non. Oh là là, c'est pas possible. ne le pas, Oh là là, c'est. Le, le pire, c'est que c'est probable. Oh merde. Oh non. Oh non. Ah bah, apparemment, c'est ça. Oh euh. C'est vraiment ça. Oh non. Quelle horreur. <laughs> J'ai oh envie non. de pleurer. J'ai hâte que le film des... de Patty Jenkins se sorte du coup. L'escadron les... baroudeur, maintenant au cinéma. Ah oui. Bientôt. Ça va être, ça va être le fun. C'est ça. Est-ce que ça va être traduit comme ça au Québec C'est ça la question maintenant. Ah oh, oui, 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 Alors du coup dernière diapo et on va boucler je pense. Euh... Boucler maintenant, boucler. C'est ça. Avant j'étais le disciple, maintenant je suis le maître. Et tu un, un méchant Les forces du mal. Vador. Du coup, euh, petit, petit truc que tu m'as soufflé à l'oreille euh, en début de stream et que j'ai fait en, en à toute hâte. Euh, en effet, on peut remarquer. Ah, oui, 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 On peut remarquer un vaisseau. En plus, tu sais que je l'ai remarqué pendant l'épisode, mais je. je... Bref. Euh, alors, les réacteurs sont un petit peu différents, mais. On peut remarquer un vaisseau de classe Lancer euh, sur euh, Alderan. D'ailleurs, ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à voir ce genre de vaisseau-là. Euh, faut savoir quand même que les Lancer classes peuvent être très différents. Celui d'Azage Ventress est euh, un, un, un avant, enfin euh, le cockpit avant est très, euh, un, peu, un peu différent par rapport à celui de Ketsu Onyo, là, qui, est en, qui est en image à droite. Euh, donc, bon, euh, on peut imaginer que justement il y a plusieurs variantes, un peu comme les, sur les YT hein, quand ils pensent. Euh, oui, 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 Donc euh, voilà. Euh, en tout cas, ça ressemble à un Lancer Class comme celui qu'on avait vu dans, euh, dans Rebels avec euh, Ketsu Onyo. Donc. SYT, euh, tout, tout toutes les configurations, il y en a genre 10 avec le cockpit, euh, <laughs> droite à gauche, au milieu, au-dessus, en dessous, derrière, genre, ça n'a aucun sens. Attends, je suis en train de me rappeler, mais attends, à, quelle ré... à quoi j'ai fait référence avec cette réplique Je me rappelle plus. Ah non, non, ici euh... Putain, c'est dans, dans Star Wars, mais c'est quoi la réplique Oui, oui, bien sûr. Non. Van où est il Non, donc c'est pas non. ici. Non. Euh... Un site ici? Ah oui, c'est ça. Ah, <laughs> Un site ici. This is getting out of hand. Voilà qui sont euh, deux maintenant. Pas, c est, c est... Non, c'est pas ça. C'est pas le même moment. C'est quand c'est quand justement euh, Sidious envoie Maul directement sur Naboo. Ah oui, voilà. Ah oui, mais c'est vrai. C'est 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 Luke qui dit est ça, ça. Est... ou son ou son euh, son bras droit. Euh, run -a Rune à Rune ouais. C'est qu'en plus attends. Et... Je suis tellement, euh, je crois que je vais aller dormir hein, très vite parce que j'avais, j'avais fait la, j'avais tapé le titre et entre temps quand même entre le fait d'avoir fait la diapo, c'était au début du stream en plus, hein, et maintenant j'avais oublié. <laughs> Donc tu vois, tu vois le truc. <laughs> je pense que. Ah oui. Un site ouais, bien ici, vu. voilà c'est ça, c'est bon. <laughs> je, je remets dans le, dans le contexte. Euh, du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à, à, à vous êtes remarquer. Le n'est que 17h48. ah c'est ça. Je il n'est es que fatigués, 23h. <laughs> du coup, voilà, je Et pense de que. Évidemment, l'expérience prouve que c'est pas encore l'heure de manger. Ah, bah vite, allez. Tu, tu vas pouvoir <laughs> aller manger, Johan, t'inquiète pas. Ah c'est bon t'inquiète prends ton temps non non non, non 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 je veux pas prendre mon temps <laughs> allez on se casse comme <laughs> moi j'ai très hâte de retrouver euh, ces, ces, ces critiques là Andor vous pour Andor parce bah, là, que mon gars ah, ça va être bien 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 fun ça c'est ça Tony Gilroy en plus est en train de salement nous, nous hyper donc ouais. euh... j'ai tellement hâte de voir cette série c'est pas dans si longtemps que ça non plus hein. je trouve ça va ça va passer vite mm. oui ça sort quand déjà exactement C'est 28 août non 31 août. 31 ah. Ah, Oh c'est dans pas longtemps. C'est une, euh, une série une série d'août n'est-ce pas Pas de septembre. Oui bien sûr. Comme, vous, comme Boba Fett, est une série de 2021 n'est-ce pas C'est ça. Euh, Mando Soka pour le coup je... <laughs> comment dire Je suis pas euh, pas à fond convaincu. Je préférerais limite que tout se passe après en fait. Ce serait tellement plus euh, plus simple et euh, ah oui oui plus non, logique mais de toute façon. Même du point de vue psychologique, c'est logique que ça se passe après. Bah Psycho oui. Logique. Parce qu'il aurait a, jamais fait... C'est ouais. ça, il aurait récupéré son sabre et tout, donc il y a plein d'éléments qui indiquent... Tout que ce qu'il a... fait dans le comics, ouais, ne, il l'aurait jamais fait dans l'état d'esprit euh, qui précède la série. Hein, donc, euh... On aura peut-être quelques clarifications, ce serait pas le premier comics à être replacé dans la temporalité après hein. ouais Ou bon... être retcon. J'avoue que... Votre Redcon, n'est-ce pas? Les comics qui sont Redcon par des séries, on ah, s'en souvient. On peut mettre le, le bruit du Wasted. Philonite. <laughs> <Silonini. rire> C'est ça. Ça va être fun. Celui-là, on va l'utiliser pour la série uh, Tales of the Jedi. <laughs> ah, on en aura peut-être besoin, oui. On a besoin, n'est-ce pas? souvent, je le sens. C'est pour assauver la série Asoka aussi. C'est vrai que On Luke est beaucoup plus jeune, fois. en effet. Bon après, euh... Bad Batch saison 2 aussi. C'est ça. On aura de quoi faire en tout cas. Dès qu'il y a Filoni impliqué, Mando saison 3. Voilà. <laughs> Il est partout, hein. Merde. You, you just got favored. Oh non. <rire> <rire> bon. Ah là <déjà>. là. <laughs> It's favorite. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Ah, tu et comme tu, tu, euh, comme tu disais, ouais, on a fait le tour. Là. <rire> euh, <rire> on, on, on abordera bien évidemment les prochaines séries euh, dès qu'elles sortiront, à commencer par Andorre, comme tu le rappelais, donc le 31, euh, 31 août. Euh, et puis bah, en attendant, évidemment, pour les prochains streams, on se retrouve bah, alors pas dimanche du coup, mais lundi soir euh, pour là-bas dans les étoiles. Il y a un petit décalage en raison d'un. Je sais pas, d'une fête de l'enfer, j'ai cru comprendre. Mais euh, du coup, voilà. On, on se retrouvera euh, bah, lundi. <laughs> bah non, fête bah, de bah, je, je sais pas, j'ai traduit, on m'a dit. Euh, voilà. bah non, ah non, c'est le festival. Ah, le festival de l'enfer Ah Oui Ah, d'accord. Je pense que ça a du sens euh, comme ça. D'accord. <laughs> Mais du coup, voilà, on se retrouvera donc euh, lundi pour le Là-bas dans les étoiles qui reviendra sur l'actualité de la semaine euh, bah, de Star Wars. Et en tout cas, merci euh, bah, à tous les participants de ce stream euh, Johan, euh, était une fois une étoile et Korsov. Et bien évidemment, aussi merci à tous ceux qui y ont assisté. Et, euh, et ben. Je pense qu'on peut se souhaiter une bonne soirée, bonne fin de soirée, une bonne nuit. à très bientôt. Et que la force Bonsoir. soit avec pour vous. Pour la vidéo la vidéo sur la, fac 2, la vague 2 de la Haute République. A très bientôt. Il hey, faut que tu me l'enregistres. <laughs> ah oui, attends, il faut que tu me l'envoies surtout. Ah, tu l'as déjà envoyé. Euh... Ah merde, il faut que je la monte alors. Il <laughs> faut que tu le télécharges du coup. Allez. <laughs> ah oui, ah, tiens. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Que la force soit avec vous. Bonne soirée. Salut.